Oui, bonjour. Je ne sais même pas si je suis obligée de vous dire bonjour parce que je suis un peu enrhumée, donc ma voix est un peu enrouée. J'ai trouvé que ma page a été fortement signalée. Je ne comprends pas la raison pour laquelle vous venez vous amasser sur ma page. Vous écoutez mes directs. Vous publiez mes directs. Vous les partagez sur vos pages. Mais l'auteur même du direct, vous venez signaler sa page. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux bien comprendre la raison pour laquelle vous venez écouter le direct, vous copiez le direct, vous mettez sur vos multiples pages, même sur ma propre page, je n'ai pas le droit de partager ce que je pense, de partager ma souffrance, de partager ce qui me préoccupe en ce moment. Moi, j'aimerais bien comprendre. La raison pour laquelle vous signalez ma page. Qu'est-ce qui vous attire autant chez moi? J'ai envie de comprendre. J'ai mes problèmes avec des personnes. Le seul moyen que j'ai pour pouvoir me défendre, parce que je suis allée à la justice, déposer une plainte pour diffamation. On m'a expliqué que, en fonction des, au Cameroun, en fonction des personnes auxquelles les plaintes sont adressées, la plainte peut ne pas aboutir. Parce que si on nous avait laissé partir au tribunal, je pense que je n'aurais pas été obligée de revenir sur Facebook pour parler. Vous voyez un peu la distraction. C'est-à-dire que je m'en veux de ce public que j'attire. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce type de public. Ce matin encore, je parlais avec une amie sur l'idée de peut-être supprimer cette page. Parce que malheureusement, je ne contrôle pas comment les gens font pour s'abonner à ma page. Et aujourd'hui, ils signalent mes publications. Ma page, j'ai retrouvé des restrictions sur ma page. Je ne peux pas l'utiliser comme je veux. Mais ça n'empêche que ce que j'ai dit hier, que je viens de le réitérer, ce n'est pas le fait de signaler un direct qui fait en sorte. Non, tout ce que je dis, c'est dans ma tête. Je peux reproduire tout ce que je dis tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes. La liberté d'expression est un droit vital. Lorsqu'une personne ne peut pas s'exprimer, cette personne se sent touchée dans ses droits. Vous comprenez? J'ai passé près de 3 ans au Cameroun à faire le tour des orphelinats, à aller dans des hôpitaux, à aider les femmes démarchées. Je n'ai jamais vu autant de publicité autour de ma personne qu'aujourd'hui. Parce que je réponds à une injustice dont j'ai été victime. Et qui, ma foi, après avoir répondu en principe, je devrais passer à autre chose. Mais il y a des gens qui m'empêchent de passer à autre chose. Il y a des gens qui veulent absolument qu'à tout moment, que j'entende une écervelée, des écervelés, traîner mon nom dans la boue. Et que je n'ai pas mon mot à dire. Non. Sinon, créons autre chose. Parce que, vraiment, si je devais coller une plainte à toute personne qui dit des choses sur moi, je vous assure que financièrement, ce serait intenable. Moi, j'ai des enfants à élever. Mon argent n'est pas fait pour passer dans les tribunaux tout le temps. J'ai eu 3 procédures en justice au Cameroun ces 3 dernières années. Je ne peux pas évaluer combien ça m'a coûté. En termes de billets d'avion pour aller attendre les procès, le fait de rester sur place parce que certaines audiences se passent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Mais il fallait que je le fasse, je me suis sacrifié, je l'ai fait. Et gloire à Dieu, j'ai gagné ces procès-là. Mais je vais vous dire que je connais les Camerounais et la distraction. C'est pour ça que j'aime souvent vous donner l'opportunité d'être discret quand je veux. Quand je veux. C'est-à-dire que on parle des choses essentielles.
On parle des choses qui concernent votre avenir, l'avenir de vos enfants. Tout ce qui vous intéresse, c'est de voir l'intérieur de la maison de Marlène Mvoutou. Parce que on vous a dit que Marlène Mvoutou dort dehors. Et c'est ce qui attire 20 000 jeunes filles de venir savoir où dort Marlène Mvoutou. Vous ne cherchez pas à comprendre. Si mon propos n'est pas à votre portée, quittez ma page Facebook simplement. Vous voyez, regardez ceux qui me suivent. Je ne suis abonné à aucune page. Je tombe parfois sur des publications comme ça par hasard parce que j'ai des gens qui me suivent et les suggestions Facebook font que si les gens qui vous suivent commentent quelque chose, ça apparaît sur votre fil d'actualité. C'est comme ça que je suis au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire certaines personnes même qui sont abonnées à ma page, même là où je n'ai pas vu, me taguent pour que je voie. Pour que je puisse voir. Avant de commencer mon propos, pour qu'on ne se perde pas dans les commentaires, je vais répondre à vos questions. Gwen Roy, tu viens me demander, la mère, tu travailles où? J'ai une fondation qui s'appelle Fondation Marlène Mvoutou, dont le siège est basé à Yaoundé. Et je travaille beaucoup dans cette fondation à la protection des droits des femmes et des enfants. Alors, au soutien pour les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et à l'aide aux démunis. Après, derrière, j'ai une agence de marketing sportif qu'on appelle Intermediatis, que je promène partout en Afrique pour faire de l'expertise en marketing. Donc, je voyage régulièrement en Afrique pour ce travail-là. Tu comprends? Voilà ce que je fais dans la vie. Quelqu'un d'autre a une autre question? Bon, quelqu'un vient me dire mytho. Bon, fais un peu le tour de ma page. J'ai mes bureaux en Vaucada. Tu tapes Google, tu dis Fondation Marlène Mvoutou. On va te dire. Moi, je vous ai dit, c'est moi qui décide de ce que je vous montre. C'est moi qui décide de ce que je vous montre. Là, actuellement, je suis au niveau du toit de ma maison. Je suis sur le toit. Vous avez vu, non? Il y a trois chambres. Je suis au niveau du toit. Je suis montée à la mezzanine. Donc, c'est moi qui décide de ce que je vous montre. Ça, c'est ma maison. Hier, j'ai fait un direct avec Gaëtan. Malheureusement, comme on a dit des gros mots et tout, il y a des personnes qui ont signalé le direct. Malheureusement, le direct n'est pas resté. Donc, moi, je décide de ce qui vous attire. Depuis toujours, depuis qu'on me connaît, c'est ici assise à ma mezzanine. La mezzanine, c'est un petit truc que les blancs font au niveau des toits des maisons. Au niveau du toit, comme vous voyez là. Bon, je suis au niveau de la mezzanine, je viens m'asseoir là. Parce que je pense que quelqu'un qui est entièrement équilibré protège son intimité. C'est-à-dire qu'il y a des parties de ma vie, moi je ne suis pas une célébrité, que je peux choisir de garder pour moi. Il y a des choses de ma vie que je peux choisir de garder pour moi. Je ne suis pas une personnalité politique. Je ne suis pas une célébrité. Je ne suis pas, je n'ai aucun devoir de conscience vis-à-vis de vous. Sur ma page Facebook, ce que je fais, je partage uniquement mes idées. Et de temps en temps, des choses qui me plaisent. Un sac à main, une chaussure qui me plaît parce que, bon, je suis une jeune fille quand même. En dehors de cela, non. Lorsque quelqu'un vient pour vouloir animer la galerie, j'anime la galerie avec lui. Mais après cela, je passe. Je n'existe pas parce que on a dit que j'ai gagné 1 milliard. Au contraire. Je pense que le respect de la dignité de quelqu'un, c'est aussi le fait que on ne dise pas tout et n'importe quoi sur cette personne. Lorsqu'une personne décide de me diffamer, Gaëtan, t'es revenu. Mm-hmm. Bah, viens, dis bonjour alors. Assis-toi là. Dis-moi. Bah, assis-toi simplement. Oui, tu veux t'asseoir? Je suis derrière toi, t'inquiète pas. Bah, il y a,
Et comme hier, tu sais, le direct qu'on a laissé, parce que bon, j'étais un peu énervée, Ouais. je suis allée un peu dans tous les sens, j'ai été dure envers ma race, tu vois. Bon, aujourd'hui, avec l'algorithme Facebook, tout ce qui a trait à la sexualité, homosexualité et race, bon, tu Bah, vois que c'est ça passe, toujours. oui, c'est toujours sensationné. C'est tout. Puis c'est sensible, c'est des sujets sensibles. Oui, donc c'est des sujets sensibles. Malheureusement, ce matin, quand je me lève, Facebook a demandé Retire la vidéo. que je retire la vidéo. Donc, Oui, c'est pas prudent. malheureusement, je suis obligée de recommencer parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont suivi. Donc, ceux qui me suivent ne se rendent pas compte que je suis en interaction avec des femmes qui se disent femmes politiques. Ici, ce n'est pas une affaire d'influenceuse. Des femmes qui se disent femmes politiques, qui prétendent être mandatées par la première dame du Cameroun pour venir me répondre. Et je ne serai pas tombée dans le piège de la facilité. D'autant plus que si il n'était pas avéré que ces personnes ont accès de manière privilégiée à la première dame, je ne serais pas sûre que j'aurais répondu à ces personnes. Parce que malheureusement, tous les hiboux qui passent, oui, Karine, tu vas me renvoyer mes directs. Toi, tu réussis à télécharger mes directs, mais moi-même, je n'arrive pas. Non, les gens veulent même m'enlever la propriété de mes propres directs. C'est-à-dire, je fais mon direct. Quand je me lève le matin, je trouve Facebook qui me dit, il y a des restrictions, il y a des quoi. Malheureusement, comment on va faire alors pour s'exprimer clairement? Comment on va faire si c'est pas possible? On a dit, la chance que nous avons aujourd'hui avec Internet, c'est de pouvoir avoir un média où on communique sans filtre. Bah, on peut mettre des filtres quand même pour protéger la dignité des gens. Et c'est cette dignité que je réclame, moi, parce que j'avais pensé porter plainte quand m'a brûlé Caribou. Chouyi avait dit des choses sur moi. Sur moi encore, j'accepte. Parce que je me dis, bon, c'est moi qui ai accepté le jeu de la célébrité. Je n'ai même pas accepté, c'est tombé sur moi par hasard. Marcy a dit, je le dis tout le temps, j'ai un langage assez haché. Hein. J'ai un langage assez haché. Ce que j'ai dit sur ma comparaison entre un clochard blanc et un noir, je le maintiens parce que je le dis tout le temps. Je dis, vous êtes un nouveau public que je n'aime pas. Vous êtes un nouveau public que je n'aime pas. Je ne vous veux pas sur ma page. Je ne vous veux pas sur ma page. Malheureusement, je ne peux pas choisir. Donc, je suis obligé de vous subir. Je suis venu sur Internet uniquement pour défendre l'honneur de mes parents. Pour protéger mes enfants qui étaient vilipendé, humilié sur les réseaux sociaux. Moi, en ce qui me concerne, on peut dire tout ce qu'on veut de moi. Ça m'importe peu. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Le reste, ce n'est que pour animer la galerie, pour vous amener dans le sens qui vous intéresse. Donc, moi, je ne veux pas ce nouveau public. Bon, Sandrine Hermine, je ne veux pas ce type de débat. Je veux parler de politique. Les histoires de non, Marlène, une mezzanine est un intermédiaire entre deux grands espaces où généralement bordé d'un garde-corps et supplon sur la pièce centrale. Non, ce n'est pas le cas chez moi. Je n'ai pas construit cette maison. Je ne sais pas comment on appelle l'espace où je me trouve, maman. J'utilise le français que je sais que les Français m'ont appris. Que quand quelque chose n'est pas en étage. Mais curieusement, chez moi, c'est comme un étage dont peut-être je dois dire que c'est un étage dont je ne sais pas si c'est une mezzanine. Parce qu'il y a plusieurs pièces dont je ne sais pas si je dois appeler ça mezzanine. Mais c'est au toit, c'est au niveau du toit, chez moi. Donc je ne sais pas si je dois appeler ça mezzanine, si je dois appeler ça étage. Ça, c'est un triplex. Il y a d'abord une maison en bas. Maintenant, il y a un deuxième niveau et un ici. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne veux pas ce genre de commentaires. Venez, on parle de.
Venez, on parle des choses qui sont essentielles. Des affaires de richesse, les affaires de pauvreté, les affaires de machin, laissons tout ça tomber. Vous êtes sûr d'une chose, c'est que je suis dans ma maison parce que depuis 2018, tout le monde connaît cet espace. Tout le monde connaît ici. Hein? Si vous êtes outré par mes propos, quittez ma page uniquement. C'est mon droit de dire ce que je pense. Vous n'allez pas absorber mon énergie pour des choses qui sont des conneries. Le camp d'en face signale ma page. Vous signalez ma page. Allez aussi signaler les pages de ceux qui enregistrent ces vidéos et les font passer. Pourquoi c'est seulement ma page que vous signalez? Pourquoi vous signalez ma page? Si le propos que je dis est dérangeant, allez aussi sur toutes les pages où ces directs sont diffusés. Allez sur toutes les pages où ces propos sont diffusés. Vous signalez aussi. Puisque les gens prennent ces directs pour amener dans des pages où il y a 200 000 abonnés. Allez aussi signaler là-bas. Vous n'allez pas... Je voulais me défendre avec les moyens de droit. J'ai déposé une plainte pour diffamation. J'ai déposé une plainte pour agression. Mais on m'a expliqué dans mon pays que non, tout le monde n'est pas égaux. Les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. En fonction de vos relations, on peut vous traîner en justice ou pas. Et c'est ça qui m'a écœuré. Et donc j'ai décidé que, comme nous sommes dans la jungle, moi je ne vais pas laisser prospérer les diffamations en ce qui me concerne. Depuis toujours, je protège ma vie privée. Je la protège, c'est mon droit. C'est au moins la seule chose qui me reste. Mais lorsque j'entends des gens dire des choses pour me diffamer, je suis obligé de me défendre. Et la première des choses sur laquelle je me défendrai du bec et ongle, c'est le fait que des personnes proches, qui se disent proches de Chantal Biya, déclarent sur les réseaux sociaux que moi j'étais la mente du professeur Gervais Mendoza. J'estime que c'était un homme de très haute qualité. Très haute qualité, un homme de dignité qui s'en est allé dans des conditions d'humiliation qui ne mérite pas cette humiliation continuelle, cette humiliation post-mortem. Je m'en veux parce que malheureusement, j'étais sous les feux des projecteurs, donc même si je ne voulais pas, les journalistes, la presse allaient faire le rapprochement parce que j'habitais dans sa maison. J'ai travaillé à la CRTV des années. Tout le personnel de la CRTV me connaît. Tout mon personnel savait que non, Marlène, c'est la fille du directeur général. Mais je ne m'étais jamais senti harcelé. Il y a eu un accident. Le professeur a été jeté en prison et à la suite de sa mort tragique, dans la douleur, j'avais exprimé mon mécontentement, pas de manière anarchique. Hein. J'avais dit, il y a des gens quand même qu'on peut protéger. Cet homme a tellement donné pour le régime que une faveur qu'on accorde à toutes les personnes qui ont été condamnées à de très lourdes peines de prison, parce que le professeur avait été condamné à 20 ans de prison, pouvait bénéficier d'une évacuation sanitaire. Parce qu'au moment où on l'arrête même, il était déjà diabétique à un stade vraiment élevé, puisque le diabète avait atteint ses yeux, il ne lisait pratiquement plus. Il était venu en Belgique se faire opérer des yeux. Son état de santé était vraiment très très dégradant. Et donc, dans un pays où on respecte les droits de l'homme, on ne peut pas prendre un homme de 77 ans et lui faire subir une très longue peine de prison. Et nous, quand nos parents nous envoyaient en Europe, c'était pour apprendre les choses des Blancs. Parce que la loi, c'est la chose des Blancs. La République, c'est la chose des Blancs. Vous savez, en France, lorsque vous êtes condamné à 5 ans de prison, vous faites un an et demi. Chaque année, on fait un rapport sur vous. Si vous vous comportez bien en prison, vous ne cherchez pas de problème, hein, on vous fait passer devant une commission d'approbation
qui estiment qu'en fonction de votre comportement en prison, vous pouvez aller continuer à purger votre peine, mais avec interdiction de quitter la ville où vous avez fait l'objet de la détention. On appelle ça liberté conditionnelle. Il y a des choses comme ça que les blancs, c'est pour ça que j'ai une admiration peut-être ésotérique ou mystique vis-à-vis de cette race qui a compris qu'il n'y a rien au-dessus de l'être humain. Peut-être ça devient une forme, mon admiration devient une forme de vénération. Parce que si vous n'avez jamais vécu chez les blancs, pour voir comment un blanc qui ne te connaît pas, parce que tu es blessé ou tu fais caca sur toi, tu vois une petite aide-soignante blanche. Elle te nettoie sans boucher ses narines, sans montrer même le geste que c'est dérangeant. Tu te dis, qu'est-ce que ces gens ont fait pour être à ce niveau de respect de la dignité humaine? Et si vous n'avez jamais été en Europe, pour voir comment une personne avec qui vous n'êtes pas parenté décide de vous donner tous les mois 500 000 pour élever vos enfants. C'est ça qu'on appelle les allocations familiales. Il ne vous connaît pas. Vous êtes venu de votre pays. Déjà même, vous faites le désordre ici. Vous cassez tout, vous les insultez même. Mais tous les mois, il s'arrange à ce que chaque personne qui vit sur le territoire, sur leur territoire, ait de quoi manger. Et moi, franchement, pour moi qui ai subi des injustices dans le pays où mon cordon ombilical est enterré, je suis en admiration. Peut-être c'est une admiration sauvage. Parce que notre pays ne nous a pas donné d'autre choix que d'être des sauvages. Peut-être c'est une admiration sauvage. Mais je pense que une telle civilisation mérite admiration et vénération. C'est mon avis. Parce que j'ai fait la différence. Si vous êtes au Cameroun, vous n'avez jamais voyagé. Vous n'avez jamais su que il existe dans ce pays qui est la France une loi qui dit que tu arrives chez eux avec ton sida que tu as attrapé dans tes multiples routes au Cameroun. Bon, je vais éviter d'utiliser les mots qui font qu'on signale mes pages. Tu as fait ta vie là-bas, ton essence seule est au Cameroun, tu as attrapé tes maladies. Tu as même pris le bateau, c'est-à-dire tu as violé leur loi pour entrer dans leur territoire. Mais parce que tu es malade, ces gens font un papier pour que tout ce que tu vas faire comme traitement, tout ce que tu feras comme traitement dans leur pays, ce sont leurs citoyens qui vont payer, qui vont financer. Je pense, à mon avis, qu'une telle civilisation mérite le respect, mérite de la considération. Et donc, je fais une étude comparée de l'opinion que les gens ont des blancs quand ils sont en Afrique. J'ai même fait le parallèle hier, c'est-à-dire que pour les Africains d'Afrique, lorsqu'une femme africaine est mariée à un blanc, forcément c'est une femme de mauvaise vie. Forcément c'est une femme qui a raté sa vie et donc elle ne peut se mettre avec un blanc que pour obtenir la régularisation. Est-ce que vous voyez la violence de vos propres réflexions? Mais quand on vous renvoie cette violence, ça vous fait mal. Je ne vois pas de blogueurs ou d'intellectuels aller se lever, aller dire à ces femmes qui vilipendent, qui font la promotion de ces idées-là, que non, vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on vous voit avec un blanc, j'ai vécu ma vie, j'étais connue au Cameroun, j'étais pas mariée à un Français, je ne me suis jamais vue vilipender autant que le jour où on m'a vue légalement mariée avec un Français. Je suis devenue la risée. Ma vie devait être réduite à néant parce qu'on m'a vue avec un Français. Et donc, il y a une catégorie de jeunes dames qui se sont subitement intéressées à mon profil. Parce que, bon, on ne va pas nier que c'est une réalité.
pour certaines qui arrivent ici, qui n'ont pas fait des études, qui se sont lancées dans le marché du piment, elles ont rencontré des blancs et oui, forcément, ils se sont mariés, ça a régularisé leur situation, grand bien leur fasse. Et pour certaines, comme elles tombent d'habitude chez des blancs qui sont en fin de vie, des blancs du troisième âge, elles pensent que la réussite du blanc, c'est leur réussite. Donc parfois même, elles ne vont pas regarder que dans les papiers du blanc, le blanc s'est déjà arrangé que même s'il décède, ses biens vont à une association s'il n'a pas d'enfant ou à ses enfants qu'il a eu avant le mariage. Il fait ce qu'on appelle le contrat de mariage. Mais comme ces femmes sont pour la plupart des illettrées, elles arrivent ici, elles ne veulent pas s'intégrer, elles ne veulent pas comprendre les lois. Elles se contentent pendant que le blanc est vivant à vivre dans la maison du blanc, à faire des photos, à se faire passer pour la femme du blanc sans penser à elle, sans penser à faire une formation. Et dès lors que le blanc décède, elles se remettent sur en route pour recommencer encore le piment. Donc, vous voyez que je parle de quelque chose de très sérieux. Si vous ne likez pas, vous allez encore trouver que le direct a disparu. Malheureusement, c'est comme ça. On parle de quelque chose de sérieux. Gaëtan, toi qui es blanc, une partie comme ça dans une maison, ça s'appelle comment? Parce que moi, j'ai dit mezzanine. Et depuis 40 minutes que je suis en train d'avoir un débat qui peut nous permettre de réfléchir, elles doivent te dire que c'est un vide-grenier. Ça, c'est le vide-grenier. Non, ça, c'est l'étage. Le grenier, il est juste là au-dessus. Où le grenier? C'est même pas le grenier, c'est l'accès au comble. Ah, donc voilà l'accès au comble. Oui. Ah, d'accord. Donc, à ce niveau-ci, on n'est même pas encore au comble. Non, non, c'est l'étage. Donc, il faut ouvrir là. Là où t'es... Ici, c'est l'étage. Ça, c'est le palier du premier étage. Ah, est-ce que je savais alors, papa? Je ne suis pas déstabilisé. Je ne suis pas déstabilisé psychologiquement. Mais les gens préfèrent s'intéresser au fait que tu es dit mezzanine plutôt que... Oui, je dis, nos maisons en Afrique ne sont pas comme ça. Donc quand moi je viens ici, on me dit que, lui m'explique que où je suis ici, on appelle ça premier étage. Et que c'est ici qu'on dit que comble ou grenier ou vide grenier. Je ne connais pas. Mais t'as jamais été voir de toute façon. Je ne connais pas. Ça, c'est ma maison où j'ai élevé mes enfants. Je vous ai toujours parlé de ça. Ce n'est pas le blanc qui m'a amené en Europe. Vous ne connaissez pas ma vie. Ça, c'est ma propre maison. Voilà Gaëtan qui est là. Quand Gaëtan me rencontre, il a sa maison. Je suis chez moi avec mes enfants qui sont déjà arrivés en France. Ils sont français. Hier, je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, Gaëtan, est-ce que c'est toi qui as reconnu mes enfants noirs? Non. Il a dit non. Est-ce que j'habite un studio? Non. J'ai dit non, j'habite pas un studio. J'ai dit à ma fille, envoie-moi les images parce qu'il y a une qui est en train de m'attaquer en disant de montrer la maison de Gaëtan. Gaëtan, il y a des choses qu'il autorise et des choses qu'il n'autorise pas. Il y a des choses qu'il autorise et des choses qu'il n'autorise pas. Depuis que je fais mes directs, je reste toujours dans un coin. Je filme, je dis ce que j'ai à dire. J'ai toujours été comme ça. Dès que tu reviens un peu voir, tu vois, dès qu'il signale, on me montre connexion lente. Je vais donc arrêter. Je n'ai jamais montré les photos de la déco de cette maison-ci. Je n'ai jamais montré les photos de la déco de cette maison. C'est pour ça que tout le monde réclame, je veux voir, je suis libre de mettre la photo que je veux. Mais là où il y a mon intimité, je décide que je ne montre pas. Ça, c'est le chez moi. Ça, c'est ma maison. Et le blanc vient de m'apprendre que on n'appelle pas ça où je suis ici que premier étage. Tu as dit qu'on n'appelle pas ça mezzanine. On appelle ça premier étage. Oui. Je suis libre de mettre la photo que je veux.
Mais celle de mon intimité, je dis non. Considérez que je dors dans la rue. Mais venez, on parle des choses qui sont édifiantes pour la jeunesse. Ce n'est pas parce que je dors dans la rue que ce que je dis n'est pas suffisamment intelligible. Ce n'est pas parce que le blanc m'a chassé, parce que vous partez écouter des vidéos où on dit, on raconte que Gaëtan m'a chassé et que je vais dans les... Quoi, on a dit quoi hier? Chez les assistants sociaux. Demander de l'aide parce que Gaëtan refuse de payer 80 euros. Malheureusement, le direct a été signalé parce que, bon, on s'est un peu lâché. On croyait que c'est la nuit, il n'y avait pas les gens. Et pendant la nuit, il y a des sorciers qui dorment sur ma page. Et ils ont signalé mon direct. Donc je disais que, considérons même, ne discutons plus. Le blanc m'a chassé. Le blanc refuse de payer la pension alimentaire. Mais je suis en train de vous dire que ma maison est en campagne. Moi, je vis en campagne. Et en campagne, il n'y a pas le bureau de l'assistante sociale. Or, en France, les assistantes sociales ont ce qu'on appelle la compétence territoriale. C'est-à-dire que quand tu donnes ton adresse, ton assistante sociale dépend de ton adresse. Nous qui sommes en campagne, nous, on n'a même pas les assistantes sociales. Le village où je vis, il n'y a même pas un seul noir. Je suis la seule noire ici. Et c'est quand je disais ça que malheureusement, j'ai eu un propos qui était un peu dur en disant que, en principe, moi, en Europe, je le vous ai dit, ce n'est même pas dur. J'évite des endroits où on retrouve les Africains, ne disons plus les Noirs, parce qu'on va encore venir. On va encore venir me signaler. Mais c'est ce que je pense. Je le pense très sincèrement. Que si une personne veut réussir en Europe, quand je vois les préoccupations des Africains, quand je vois leurs réflexions, quand je vois leurs agissements, vaudrait mieux éviter les Africains. Et moi, depuis plus de 20 ans, j'ai toujours évité les Africains. Et j'ai donné mes raisons. C'est pas de la xénophobie, c'est pas du racisme, c'est simplement ce qu'on appelle le réalisme. Vous-même observez que rien que le fait que je vous fréquente virtuellement, c'est-à-dire que sur les 10 000 vues que je trouve souvent sur ma page, il n'y a pas deux personnes qui m'ont déjà rencontré dans la vraie vie. Mais il y a des gens qui se sentent aujourd'hui légitimes d'insulter mes enfants, d'harceler ma mère, qui est malade, d'humilier ma famille, simplement parce qu'elles estiment qu'elles me voient sur leur téléphone. Moi, je pense qu'un tel peuple mérite une recolonisation. Je l'ai dit dans une interview que j'ai accordée à Martial Bissot. C'est ce que je pense. Vous savez, la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté d'opinion, ce sont des principes consacrés par la Constitution. Tant que vous n'empiétez pas le droit ou la liberté de quelqu'un d'autre, si ce que vous dites n'enfreint pas une loi, on a le droit de respecter ce que vous pensez. Et de temps en temps, pour vous distraire, on peut mettre un commentaire qui n'a rien à voir avec notre combat initial. Déco ou pas déco. Supposez que, Gaëtan, tu sors de la chambre, non? Ici, à ce niveau, il y a combien de chambres? 3. Bon, donc toi, tu peux laisser que je dorme ici aux escaliers. Tu ne m'accordes pas une chambre? Dans ma propre maison? Voilà, donc, considérons que je dors même aux escaliers, que je dorme aux escaliers. Hein, que je dorme aux escaliers. Et considérons que je suis au Cameroun en ce moment, que je n'ai pas voyagé, que les photos de la France que je vous montre, ce sont d'anciennes photos, que je n'ai pas pu avoir l'argent pour prendre l'avion. Mais je vous dis que, avec mon état, où moi je dors dans un escalier, je suis mieux
que 10, je suis mieux que 19 millions de Camerounais. C'est pour ça que je vous convoque ici. Qu'on parle des choses de sensibilisation. On utilise le Japap. On utilise les choses des influenceuses pour vous attirer. Parce qu'on sait que si on reste simplement entre politiciennes, entre intellectuels, vous irez faire 50 000 vues chez Humanto. Lorsque je viens mettre la capture d'écran de Nathalie Koua, je sais que tous ceux qui sont chez Humanto, qui regardent les bêtises, qui demandent le sexe, qui demandent qu'on leur envoie le sexe de Bobda, vont venir sur ma page écouter des choses essentielles. Lorsque je mets des idées de décoration, je sais que tous les riches de Facebook vont s'intéresser et vont partager ma page. Et quand on va partager ma page, des gens qui ne me connaissaient pas vont s'intéresser à moi. Vous ne connaissez pas mes œuvres sociales, pourquoi? Parce que lorsque je donne de l'argent aux jeunes pour ouvrir des entreprises, je trouve 50 likes, 0 partage. Je trouve 2 commentaires. Moi, j'ai fait de la communication. Et je sais ce que c'est qu'une communication stratégique. Et c'est pour ça que je suis toujours dans le coup. C'est pour cela que j'ai de l'audience. Parce que je sais comment on fait pour manipuler les esprits des gens. Ça, c'est ce que moi, j'ai étudié. Et je pense que j'ai réussi très bien, puisque en ce moment, on ne parle de personne d'autre. Toutes les pages sont alimentées de ce que je fais. Même si je publie un chat maintenant, le chat va se retrouver sur des pages à 50 000, 200 000 vues. Voilà, voilà Agathe Apine les Jaloux qui est revenue. Vraiment patience. Pardon Agathe Apine les Jaloux qui tue ma page. Bah, il y a un profil là. Ça... Attends, le voici. Dis-moi. Il y a un profil là. On a dit. Jeanne Zobo. Chacun s'exprime avec son niveau d'intelligence, Jeanne Zobo. Chacun s'exprime avec son niveau d'intelligence. Je suis certaine que si on t'avait accordé ma capacité à m'exprimer, tu ferais des directs à toutes les minutes. Or, moi, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Je n'ai jamais fait un direct, Jeanne Zobo. Comment je fais pour vous connaître? Parce que je suis vigilante de tout ce qui se passe qui concerne mon pays. Jeanne Zobo, je te connais parce que tu fais les directs tous les jours. Si ce n'est pas tous les jours, c'est que tu as trouvé un travail entre-temps. Tous les jours, tu fais un direct. Quand tu viens me demander pourquoi tu as autant de justifications, je ne me justifie pas, je m'exprime. Voilà Agathe Apine. Ça, c'est un nouveau compte. Vous êtes allé. Ce n'est pas le vrai Agathe Apine, les Jaloux ici. Ça, ce n'est pas le vrai. Dois-tu voir le Agathe Apine, les Jaloux qui vient me dire je préfère t'attendre au Cameroun, je ne reviendrai plus. Je dis que j'ai même demandé. À Gaëtan, qu'étant donné que je suis plus vieille que lui, si je décède, on m'incinère. Tu vois, je t'avais dit que mes cendres seront jetées où? À la mer. Comme nous, on n'habite pas loin de la mer, mes cendres seront jetées dans l'océan Atlantique. Je n'ai pas parlé autre chose sur ma page que de mon problème entre Chantal Biya et la femme qu'elle m'a envoyée. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Mais comme je sais que c'est le Japap, le Congossa, le dénigrement qui attire les gens. Pourquoi les Karine Bibian aujourd'hui ne font pas le plein des directs? Simplement parce que comme elles parlent des choses sérieuses du Cameroun, ça n'intéresse pas les gens. Pourquoi Zumante est aujourd'hui le blogueur le plus suivi? Simplement parce qu'il va raconter l'histoire d'une femme qu'on a trouvée, qui n'a pas payé son loyer, l'histoire d'une femme. Il parle des choses à la réalité. Bon, ça attire l'attention. Mais il n'y a pas une vraie réflexion intellectuelle derrière cet acte. Bon, maintenant quand il finit de nous montrer ça, quel est le message? Donc notre stratégie à nous pour récupérer tout ce public-là, c'est d'essayer d'afficher des choses que vous aimez. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attire? Ce sont des fausses valeurs.
C'est de la fausse richesse. C'est de la, c'est des fausses valeurs, la fausse richesse, les fausses milliardaires. C'est ça qui vous intéresse. Vous n'aimez pas entendre que payer un billet d'avion. Normalement, Air France fait toutes ses recettes en Afrique. Le billet d'avion qui part de la France pour les États-Unis, c'est 500 euros. Or, les États-Unis, par rapport à l'Afrique, au Cameroun particulièrement, c'est plus loin. Mais Air France a bien compris dans sa stratégie que les Noirs, bon, je ne vais plus dire les Noirs, les Africains ont un complexe congénital. C'est-à-dire que Royal Air Maroc va proposer un billet d'avion qui arrive à Nantes à 750 euros en proposant de passer par Casablanca, l'escale et puis à Nantes. Mais un Noir, un Africain va te dire, je ne veux pas qu'on me voie dans Royal Air Maroc. Je ne veux pas qu'on me voie dans Éthiopien. Parce que mon snap, si je snap que je suis dans Royal Air Maroc, les gens vont venir se moquer de moi sur Internet. Donc, pour que je sois respecté sur Facebook, je dois snapper que je suis en business class de Air France. Air France dit, ben, ce sont des commerciaux, hein, ils ont étudié la même chose que moi. C'est-à-dire l'art d'entrer dans l'esprit des gens. Et Air France se dit, comme ils aiment montrer qu'ils sont arrivés alors qu'ils ne sont pas arrivés, mettons la classe business à 4 millions, à 3 millions et poussière. Ça devient la course. Les gens sont prêts à tout. Les jeunes filles sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout pour avoir leur snap en business class de Air France à 4 millions. Or, 4 millions peuvent créer 4 entreprises qui emploient 40 jeunes. Et comme moi, je vais me filmer en premium économie, parce que lorsque je suis invité, par exemple, par une structure où je voyage pour le compte de ma structure, forcément, je prends en business. Mais lorsqu'il s'agit de mes propres moyens, je dis un minimum de confort. Air France a une classe qui est intermédiaire. Ça, c'est leur ancien business class. Vous ne connaissez pas. Ça s'appelle la premium économie. Je paye mon billet en premium économie qui coûte dans les 1 700 000. C'est-à-dire que même jusque-là, c'est encore... La dernière fois, Chouchou, le billet qu'on devait venir en juillet, ils nous avaient donné 5 000 euros, non? 5 400 euros. Quand tu n'arrivais même pas à payer avec ta propre carte, là. Oui. Tu te souviens? Pour Iris et moi, 5 400 euros. Tu es avec un bébé. Et tu vas peut-être faire ta photo. Déjà que je ne montre jamais des photos quand je suis dans l'avion. Je n'ai jamais montré une photo quand je voyage dans l'avion. Ces femmes qui pensent me connaître parce qu'elles me voient sur leur téléphone ont commencé. Oui, elles ne montrent jamais quand elles voyagent. Elle ne montre jamais quand elle voyage. J'ai commencé, tu sais, la dernière fois que j'ai voyagé avec Cynthia, Iris, machin, on a fait une photo. On était assis en premium économie. La dame, elle prend nos photos. Oh, regarde, elles sont en premium économie. Ça veut dire que tu payes 3 billets. 3 billets de prix, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de citer. Je n'ai pas envie d'être méchante. Moi, je peux dire ce que je pense, hein, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont ultra matérialistes. Quoi. Mais c'est ce matérialisme qu'on essaye de combattre. Tu essayes de faire des directs avec des sujets de fond, tout ça, etc. Mais ils ne veulent pas, ils veulent toujours nous ramener. Je pense à un des commentaires que je viens de lire là. Ouais. Hey, Marley, toi, est-ce que tu peux même porter message? Quel est le rapport avec le direct que tu es en train de faire? Et des gens comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui les attire vers eux? Là, tu parles de sujets importants, tu parles de la diffamation qu'il y a eu contre toi, etc. L'autre, elle te fait le coup. Comme tu as eu malheur, je suis à la mezzanine. Elle dit non, ça s'appelle vide de grenier. Non, ça, c'est pas un vide de grenier. Tu préfères perdre du temps à parler de oui, non, c'est un étage, c'est un vide de grenier, c'est un machin, c'est un machin, plutôt que de rester concentré sur le sujet sur lequel on parle. C'est un truc de fou. Donc, tu te rends compte que tu viens de dépenser
4 500 000 pour voyager tes deux enfants et toi. Et une personne te dit que tu as faim parce que tu as voyagé en premium économie de Air France. Je me dis, mais... Et cette personne n'a jamais mis un de ses enfants dans l'avion. Mais elle va prendre la photo de tes enfants pour aller afficher en disant, regardez, elle prend premium économie. Le billet d'avion, c'est 1 500 000. 1 700 000. 1 800 000, parfois 2 millions en été. Toi, tu prends 3 billets d'avion de 2 millions. Quelqu'un prend ta photo. Or, la personne réside dans un pays où les gens meurent pour 1000 francs. Attends, je vais lire ceci. Il y a quelqu'un qui te traite de gigolo. Tu es l'ombre de toi-même. Reste bien chez la vieille chouette qui t'héberge le jour qu'elle va te chasser. Bah, j'espère que c'est... Ah non, c'est pas de toi qu'on parle. Hein. J'espère que c'est pas de toi. Hein. Maintenant, vous signalez encore... Tu vois, s'il parle de moi et qu'il utilise le terme gigolo, il était présent en direct hier. Parce qu'on avait parlé de ta mère qui m'avait traité. Calibri, oui, Calibro. Je n'ai pas fait quelque chose qui soit passible de la peine capitale. La maison que j'ai publiée hier, elle est très belle, je suis d'accord avec ça. Mais ça ne peut pas capitaliser l'essentiel de ma communication depuis que j'ai pris la parole depuis le 1er janvier. J'ai pris la décision de commencer à faire des directs tous les jours pour partager ma frustration, mon aigreur. Bon, Georges Duroy Corléan, vraiment, vraiment, je t'assure que tu ne me verras jamais mettre ton commentaire dans un direct. Nulle part. Personne ne te verra jamais. Ne verra jamais. Je vais m'arrêter d'abord de parler. Merci, Dizzy. Merci. J'ai effacé la décoration. J'ai effacé la maison. Je ne peux pas vous montrer mon salon. Je dis que c'est moi qui décide des espaces. Je reste là. Je montre les escaliers qui amènent au premier étage de ma maison. Tu vas devenir fou, c'est des noirs. Tu connais pas, tu vas devenir fou. Les gens comprennent le sens du mot intimité ou quoi? Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que là, je serai obligé de recommencer à parler. Je vais recommencer à parler et on va signaler mon direct. Mon Dieu. Depuis que je fais les directs, je pense que chacun a le droit. L'erreur que j'avais faite, tu vois, quand on a fini les travaux de la maison d'Oja, c'était de filmer comment j'avais décoré. Oui. Tu vois, parce qu'il y a une fille avec qui j'étais en amitié sur Facebook, qui nous avait demandé, qui avait lancé un challenge, en fait, qui avait lancé un concours du meilleur arbre de Noël. Et donc, pour la fondation, j'avais dit, je vais concourir. Et donc, s'il y a des fonds, ça va contribuer à l'arbre de Noël des enfants orphelins. Donc, du coup, j'ai filmé l'arbre de Noël. J'ai filmé un peu comment j'avais décoré. Et c'est la première fois de toute ma vie. Je te jure, c'est la première fois de toute ma vie que je montre l'intérieur de ma maison. Je ne peux pas te dire... La jalousie que ces photos, c'est même pas la jalousie, le mauvais œil. Au point où, quand Afan Francine entre chez moi, moi j'étais encore derrière, parce que quand les messieurs avec lesquels elle était, cassent la porte. Elle rentre dans la maison, elle met la vidéo. Tu sais la première des choses qu'elle dit? Elle dit, regardez, vous reconnaissez la déco, non? Vous reconnaissez la déco? C'est ici qu'elle avait mis les photos. Vous reconnaissez cette déco? C'est-à-dire que même elle avait suivi. Elle était sur ma page pour contrôler comment j'avais décoré ma maison. C'est-à-dire qu'avec les Africains, ne te méprends jamais. Ne te méprends jamais, c'est-à-dire
C'est des gens qui sont restés dans une enfance originelle. Même si tu vois quelqu'un adulte, je ne sais pas si c'est le niveau d'émancipation ou le niveau de développement, il y a toujours une part de l'enfance maltraitée ou de l'enfance malmenée qui est ancrée dans chaque Africain. Tu comprends? Donc ça fait que certains, tu veux bien les respecter, mais il y aura toujours une petite faille qui fera ressortir ces blessures internes. Mais je t'assure que j'avais fait naïvement depuis plus de 15 ans, 20 ans que je suis connu, je n'ai jamais donné accès. Moi, ce qui m'a mis sur le... Attends, mais le truc, c'est qu'on est en direct, on n'est pas entre nous. Attends, avant d'abord, maintenant, je finis le direct, on va parler. Parce que, en même temps que je veux répondre, en même temps, je veux causer avec toi. Là, on ne va pas, on va pas s'en sortir. Finis ton direct, alors. Bonne journée à tous pour tout le monde. Moi, je suis là pour parler du Cameroun. Laissez ma pauvreté. Laissez ma vie de famille. Je suis là pour parler du Cameroun. Et quand je mets certaines images, c'est pour attirer un certain public à faire la promotion de mon profil. Parce que je vous assure que on peut rester ici tous les jours à sensibiliser les jeunes femmes de réclamer leurs droits, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Je vous assure que on aura 20 personnes en direct. Mais comment c'est que non? Marlène a mis les photos d'une maison décorée. Il paraît qu'elle dort dehors, mais elle a mis les photos. Vous allez voir, je parle là depuis 20 minutes ou 30 minutes. Moi, j'assume mon complexe. Je t'assure que Georges Duroy Corleone, parce que comme tu dis que tu me suis quand tu vas aux toilettes, il faut avouer que tu restes longtemps aux toilettes. Va plutôt boire un laxatif, tu fais la diarrhée, tu sors des toilettes. Parce que moi, je ne viendrai jamais suivre un direct d'une personne pour qui j'ai du mépris. Moi, je suis complexé. J'assume mon complexe. Je dis que les blancs nous dépassent. Je dis que tu ne verras jamais un blanc mettre la photo d'un chien sur Internet. D'ailleurs, même que vous voyez les TikTok des blancs, on monte un chien, il y a 10 millions de vues. Et que ce qui va préoccuper les gens, c'est pour dire, c'est ton chien, ce n'est pas ton chien, c'est ton chat, ce n'est pas ton chat, non. Mais on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, vous tirer vers le niveau de conscience des Européens. Il y a un complexe qui est bon, il y a un complexe qui est mauvais. Le vôtre, je suis certain qu'il est mauvais. Depuis que je suis sur Internet, je n'ai jamais filmé mon intérieur. Le seul jour que j'avais filmé mon intérieur, c'était le jour que je faisais le concours lancé par une dame Albertine Cana. Je voulais gagner de l'argent pour ma fondation. Peut-être à cause de cette photo, je suis devenue influenceuse. Or, sur tout mon profil, ce n'est que des actions de ma fondation. Je n'ai jamais vu personne commenter les actions de ma fondation. Personne n'a filmé la maison d'autrui. J'ai demandé à ma fille de m'envoyer des images. Elle me les a envoyées. Je vous ai montré. Moi, je ne suis même pas sur Instagram. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas sur Snap. Je ne suis pas sur TikTok. Donc, personne ne filme la maison d'autrui. Ce sont mes enfants qui m'envoient des images. La seule chose ici, c'est chez moi. Et depuis que je fais mes directs, ce n'est que chez moi que je fais mes directs. Lorsque quelqu'un vous dit, son mari l'a chassé, je fais appeler la personne, il dit qu'il paraît que tu m'as chassé. Ça, c'est ma maison. Allez demander aux gens là, mais vous avez dit que son mari l'a chassé et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça qui donne la quintessence de mon discours sur Internet? Bon, Lou, l'Africain peut aussi pas besoin de gains de temps et éviter les escales, préférer un vol Air France. Non, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Moi qui habite à Nantes, bon, mon aéroport c'est Nantes, mais j'habite pas Nantes. Si mon aéroport est à Nantes, quelqu'un qui prend Royal Air Maroc
arrive avant moi, à Nantes, avant, si moi je prends Air France. Je suis désolé. La différence de prix entre Air France et Royal Air Maroc ne se justifie que sur la base du fait que les Européens ont compris que l'Africain souffre d'un complexe d'infériorité. Quand je vois le niveau de performance d'une compagnie comme Ethiopian Airlines, malheureusement, c'est une compagnie qui ne vient pas en province, c'est pour ça que je ne la prends pas. Quand je vois le niveau de sérieux de Ethiopian Airlines, et je vois Ethiopian Airlines qui fait des billets Yaoundé, Paris, à 550 000. En même temps, Air France fait le même billet à 1 050 000. Et tu vois des Noirs, excusez-moi, des Africains alignés au point où il n'y a pas de place pour entrer à Air France. Je dis, ils ont un problème. C'est mon avis. C'est mon avis. Moi, je vous ai appelé pour qu'on parle de politique. Vous me parlez. Maintenant que j'ai évoqué seulement le problème de du billet d'avion, on va passer 4 heures. Moi, je ne suis pas resté en direct pendant longtemps. On va passer 4 heures à parler de ça. C'est pour ça que je vous prie de libérer ma page Facebook. Parce que non seulement vous venez écouter et vous dites des bêtises, mais après, dès que je laisse le direct, vous signalez le direct. Maintenant, Facebook a mis des restrictions. Apparemment, je ne peux pas commenter. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, je veux bien lire vos commentaires. Hein. Je veux bien lire. Mais s'il n'y a pas quelque chose de pertinent, qu'est-ce qu'on va faire? Votre haine ne fait que conforter les gens. Non, moi je ne prends pas un jet privé. Jeanne Zobo, tu t'es trompé de profil. Regarde ma page Facebook. Lorsque je vais pour mon travail, parce que généralement, je vais pour mon travail, je prends l'argent de ma société. Je me paye un billet business parce que le business permet une certaine flexibilité sur les dates. Tu peux aller dans un pays. Par exemple, dernièrement, je suis allé en Algérie. J'avais 6 jours de visa. Si j'ai 6 jours de visa et que je rate mon avion, oh, j'ai pris un billet avec des dates fixes. Je suis obligé, avec la politique des compagnies, d'acheter un nouveau billet d'avion. Et ça va te coûter 3 fois plus cher. Donc, je prends un billet en business. Mais lorsque je vais pour des vacances, lorsque je rentre chez moi, quel est l'intérêt de prendre un business? Quel est l'intérêt? Puisque Air France aujourd'hui vend le kilo à 15 euros. Quel est l'intérêt? Est-ce que je suis encore au niveau des Snap alors que j'ai des enfants qui sont grands, qui ont besoin qu'on mette de l'argent de côté pour eux? J'avoue, je suis une belle fille. J'avoue que je pourrais être une belle influenceuse. Mais moi, je ne veux pas cette catégorie-là. Si quelqu'un me demande que je veux les photos de ta maison, je te mets la photo que je veux. Parce que je sais que ça va se retrouver dans tout Internet. Toi, tu vois la chambre de quelqu'un qui a le cerveau dans tout Internet. Parce que dès que quelque chose est sur ma page, sois sûr que ça va faire le tour d'Internet. Et si tu penses une personne équilibré, une femme mariée va mettre la chambre sur le lit sur lequel elle dort avec son mari sur Internet? Tu le penses vraiment? Laissez-nous parler de politique. Laissez-nous parler de politique. Laissez-nous parler de politique. Nous, on ne vous veut plus ici. Je n'habite pas un appartement. Ne serait-ce que ça, au moins vous pouvez confirmer. Parce que c'est tous les jours que vous me verrez assis ici ou à un coin de la maison. En Europe, même si tu n'as pas la chaise, le simple fait d'avoir une clé, surtout maintenant qu'il y a le froid, parce qu'en hiver, les gens deviennent souvent fous. Quelqu'un accepte tes bergers. Dès que tu fais là 3 jours chez lui, tu reviens encore, tu trouves qu'il a changé les clés de sa maison.
Donc, avoir ton espace où tu peux entrer, t'asseoir aux escaliers, parler à haute voix, dire les gros mots, crier, c'est un luxe. Je n'habite pas chez quelqu'un. Je vous ai dit, je ne fréquente pas les Africains. Aucun Africain ne vient chez moi. J'ai simplement voulu vous montrer que non. C'est quand on vous avait dit que j'habitais un studio en France. Même le studio en France, c'est 400 000 francs le mois. Le studio, même pas à Paris, parce qu'à Paris, tu peux trouver les studios à 1 million le mois. Je dis dans ma région là. Le studio, c'est 400 000. Même si on te donne l'argent du social. Moi, j'ai déjà des enfants majeurs, donc je n'ai plus droit au social. J'ai des enfants majeurs qui sont salariés. Je n'ai pas droit au social. Et même moi-même, je n'ai même pas droit, si je décide maintenant que je ne travaille pas, à cause des revenus de Gaëtan, je ne peux pas toucher le RSA. Je n'ai pas droit au RSA. Vous ne connaissez pas les lois de la France. Lorsque tu as un seul enfant qui est mineur, tu n'as pas droit aux allocations familiales. La loi en France dit que tu dois avoir deux enfants mineurs. Or, moi, je n'ai plus deux enfants mineurs. Océane est née en 2006, ça fait 18 ans. J'ai un seul enfant mineur. Donc, en France, un seul enfant mineur ne te donne aucune allocation. Si tu veux avoir des aides, avec un seul enfant, il faut que tu sois parent isolé. Maintenant, on fait aussi de l'éducation pour celles qui sont ici. Ça veut dire que tu ne dois pas être légalement marié et vivant sous un même toit avec ton époux. Ou alors, ayant la même résidence fiscale que ton époux. Si tu veux toucher les aides, si tu veux être assisté social. Je te dis que tellement on me signale à tout moment, je vois, on dit que... Je ne sais pas. Mais vous qui aimez bien suivre mes directs, envoyez les likes. Je ne sais pas comment on fait pour sécuriser un direct. Vous m'avez déjà trop signalé. Moi, j'ai dit cette fois-ci, je vais dire ce que je pense. Oui, Agathe Apine, les jaloux. J'ai une petite association. On n'appelle même pas ça association parce que je suis seul membre. Lorsque tu es seul membre d'une organisation, ça s'appelle fondation. Mais si vous êtes déjà deux, ça s'appelle association. Donc toi, Agathe Apine, les jaloux, tu es parti créer un faux profil pour venir... Le vrai Agathe Apine, les jaloux, ce n'est pas toi. Je vous assure, nous on veut bien... converser avec vous, on va avancer sur ce qui est essentiel. Tout ce qui vous retient, c'est des bêtises. Donc, j'ai mal parce que toute la construction intellectuelle que j'avais faite hier, j'ai dit plein de choses, mais heureusement, certains Raoul Stéphane, ton affaire au tribunal pour la maison année où la dame est recherchée pour plein de motifs, parmi lesquels escroquerie, agression, c'est-à-dire destruction, vol, plein. Elle a disparu des radars, on ne sait pas où elle est. Et donc nous sommes toujours en attente qu'elle soit arrêtée. Voilà où en est mon problème du tribunal, de la maison. Donc, oui, il y a des échos. Tu peux acheter ton billet écho avec possibilité de modification. Mais je dis, tout ça, c'est pour nourrir notre ego. Notre ego de complexer. Je vous assure que lorsqu'un vol Air France décolle, le nombre de les blancs qui sont dans l'avion, quand ils atterrissent en France, vous voyez d'abord la voiture dans laquelle ils roulent. Après, vous voyez la maison où ils partent entrer. Ils sont en classe éco. Et tout le business est payé par des Africains. Les Africains qui vont sortir du business là n'ont pas de maison en France. Ils partent dormir
sur les canapés des gens en Europe. Ils vont dormir sur les canapés. Moi, je dis donc que ça n'a pas de sens. Éduquons sur ce qui est des vraies valeurs. La vraie valeur, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, ce n'est pas donné de s'offrir un billet de 500 000 francs. Même si c'est éthiopien. Ce n'est pas donné. Donc, vous ne devez pas aller harceler, humilier les gens parce que la personne a sorti 750 000 pour prendre éthiopien en écho. Parce que même éthiopien, maintenant, ils ont bien compris la stratégie de Air France. Tout ce qu'ils font maintenant, ils s'alignent aussi. La différence aujourd'hui entre tous ces billets-là n'est plus très grande. Éthiopien, Royal Air, Maroc, on dit, on ne reste pas à la traîne. Les Africains aiment ça, on va le faire. Je vous assure, c'est moins cher d'aller aux États-Unis. C'est moins cher d'aller aux États-Unis que d'aller en Afrique. Et il y a des gens qui continuent à faire la promotion de ces fausses valeurs-là. Il y a des gens qui continuent. Nous, on a dit, on vient se battre pour des fausses valeurs. Et en passant, lorsqu'une femme qui prétend être envoyée est une amie intime de la première dame du Cameroun, maintenant que je vous ai répondu, vous allez nous permettre au moins que je restitue tout ce que j'ai dit dans mon dernier direct que vous avez signalé. Je dis, si vous signalez ce qui me plaît, je supprime ce qui vous plaît. Si vous n'aviez pas signalé mon direct où je parle des choses importantes du Cameroun, je n'allais pas supprimer les vidéos de décoration. Donc, vous supprimez ce qui me plaît, moi. Ce qui intéresse 10 000 personnes, 15 000 personnes. Je viens, je supprime ce qui intéresse 60 personnes. Parce que maintenant, ça vient de nous prendre une heure de temps de direct. Cette affaire de décoration. Or, il y avait 60 likes. Le direct d'hier, il y avait, jusqu'à ce matin que je découvre que le direct a disparu, il y avait 12 000 personnes qui avaient déjà regardé. Ça veut dire que si le direct était resté, on en serait aujourd'hui peut-être à 20 000 citoyens qu'on aurait touchés. 20 ou 25 000 citoyens. Mais vous venez encore de nous absorber une heure de temps pour me demander de vous montrer la décoration. En quoi est-ce que vous pensez que je peux être... C'est parce que je ne suis pas sorti. Quand j'irai à Nantes, j'irai vous montrer où je travaille. Je vais filmer un coin, ce sera peut-être un coin. Peut-être, comme c'est public, comme c'est un lieu public, je vais filmer entièrement. Mais un blanc, tu ne peux pas retrouver son intimité n'importe comment. C'est indigne. Mais comme je suis obligé de me mettre en direct et de ne pas être dans le noir complet, je me mets aux escaliers où je ne porte pas atteinte ni à l'intimité d'Océane, ni à l'intimité d'Iris, ni à l'intimité de Gaëtan. Si vous n'avez pas encore compris ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas être ensemble. Je préfère avoir 2 likes parce que je sais que Karine va relayer mon direct. Peut-être qu'il y aura les gens qui vont écouter là-bas. Mais si les directs sont impossibles sur ma page, comment on va faire? J'irai désormais intervenir sur leur page. Moi, je ne suis pas de la basse. Je ne suis pas de la basse. Je n'attends pas un poste politique au Cameroun. J'ai décidé de venir vivre en Europe. Dieu m'a donné cette chance-là. Et j'ai même dit, j'ai déjà dit à mes enfants, si jamais je décède, on m'incinère, on prend mes cendres, on peut mettre à la loi atlantique. Ça veut dire que même mon cadavre ne reviendra pas au Cameroun. Pour dire que on attend son cadavre, on va aller déterrer. J'ai écrit ça dans mon assurance obsèque. On ne va pas vous dire, venez cotiser. Je paye 10 euros tous les mois pour mon assurance obsèque. Je paye 45 euros pour mon capital décès. Chouchou, Gaëtan, ouais. Mon contrat d'obsèque de 500 000 euros, là, c'est combien par mois? C'est 15 euros, je crois, c'est pas cher. Non, non, non.
C'est 45 ou 36 euros. Ah oui, non, c'est moi, oui, je crois, oui, parce qu'il y a l'option. Oui, t'as raison. L'option capital d'essai. Ça veut dire que moi, j'ai déjà organisé mes obsèques. J'ai même écrit les chansons qu'on doit mettre quand on va faire entrer mon cercueil. Ça, c'est possible en Europe. Je paye 5 500, 10 euros, c'est 6 500 tous les mois. Donc, ne croyez pas que je suis en train de chercher l'affection des Camerounais pour que si jamais j'ai un problème, on va venir dire, oh, venez cotiser, vraiment, Marlène est mal, elle a des problèmes, là voilà qui est décédée, allons voir l'ambassadeur du Cameroun, on amène son corps au Cameroun. Non. Ici, quand tu ouvres un compte bancaire, le banquier te propose des assurances. Est-ce que tu veux payer 5 000 tous les mois ou 6 000 tous les mois? Quand tu meurs, on met 10 millions pour t'enterrer. Tu dis oui, 15 000 euros, c'est 10 millions. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on remette une somme à tes enfants? Tu dis oui. Je ne vais même plus vous montrer. Ça ne sert à rien. Tous les mois, tu donnes 20 000. Et si tu meurs entre-temps, comme vous voulez me tuer là, si je meurs entre-temps là, mes enfants auront beaucoup d'argent. Si mon mari meurt, j'aurai beaucoup d'argent. Donc en Europe, les gens organisent leur mort. Et quand tu as fini d'organiser comme ça, tu n'as plus peur de la mort. La mort peut venir n'importe quand. Donc moi, je ne viens pas chercher votre affection. Je vous l'ai déjà dit dans des termes, même pour vous repousser, je ne vous aime pas. Mais lorsque j'ai mon problème, je viens me plaindre de ce qui me frustre. Ce n'est pas à des visées parce que je veux absolument que si jamais quelqu'un arrive au pouvoir, il m'appelle. Je vous ai dit que si on me dit que Paul Biya a fait un remaniement et on lit officiellement mon nom à la radio à l'heure actuelle là, comme a nommé. Quel est le poste le plus important au Cameroun? Ministre de la Défense. Je vais écrire que je ne viens pas. Moi, je vais dire que je ne viens pas. Parce que actuellement, ce qui est plus important pour moi, c'est élever mes enfants. Donc, même si on croit qu'on va me tendre un piège en me disant non, donnons-lui une petite responsabilité, comment ça vient? Je ne suis pas venu au Cameroun chercher des responsabilités. Je venais pour mes activités humanitaires. Donnons-lui un peu une petite responsabilité politique là pour qu'elle se calme. Je saurais que c'est le piège. Et c'est ça qui fait que les gens meurent. Quand tu as déjà été contre quelqu'un, ne rentre plus jamais être avec lui. Ne mange plus jamais à sa table. Il y a des problèmes qui ne s'arrangent pas. Et c'est ce que je n'avais pas compris au départ. Que ayant été associé d'une manière ou d'une autre à quelqu'un dont j'apprends sur Internet que j'ai aucun lien de parenté, il ne fallait plus jamais que j'aille m'asseoir sur la table du régime de Biya. Je serais resté au Cameroun, en France tranquillement. J'aurais eu ma paix. J'aurais vu grandir mes enfants en paix. Et donc cette leçon que j'ai apprise là, prenez-en de la graine. Prenez-la à votre compte. Prenez-les à votre compte. C'est la leçon que moi j'ai acquise. Que lorsque on dit déjà que ton père est en disgrâce, ou alors ton amant, ton chéri, je ne sais pas ce qu'on pense, est en disgrâce avec un régime politique africain, déménage. Parce que ce régime a des tentacules. Ce régime a des petites mains. C'est ce que les gens comme Martinez n'ont pas compris. Et ils ont payé de leur vie. Tu ne peux pas dire que tu es contre Amougou Belinga, qui est un soutien inconditionnel du régime. Ça, c'est de l'hérésie. Tu ne peux pas être
en fait, la même chose que cette Chapuis me fait actuellement. C'est comme ça qu'a toujours fonctionné le régime de Biya. On fait coexister des sorciers ensemble. Des gens qui n'ont rien à voir en commun. Parce que l'homme camerounais ne sait pas que les convictions politiques et intellectuelles ne sont pas fluctuantes. Tu ne peux pas être, tu ne verras jamais quelqu'un. Oh, je risque de perdre mon direct. Gaëtan, s'il te plaît, s'il te plaît, va vite dans le salon. Prendre la multiple, la rallonge là. Je risque de perdre mon direct, s'il te plaît. Oh. Je vais te laisser passer, vas-y. Pour que tu ne sortes pas en direct. Mais après, je peux te montrer. Je t'ai montré. Ah oui, oui mon viens seulement avec le chargeur. Tu m'as donné la multiprise de... Sinon, on risque de perdre le direct. Oh. Attention, hein. À me montrer comme ça, tu vas encore susciter beaucoup les jalousies. Toi, t'es terrible. Hein. Toi, je commence à te contaminer avec tous mes petits trucs de noir, vraiment. Bientôt, tu vas devenir... Mon Dieu. Bientôt, tu vas devenir comme moi, en fait. Voilà Iggy qui me dit que... Ici, en France, dès que tu as quelqu'un qui gagne déjà 1510 euros, les blancs te coupent tout. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Certaines personnes préfèrent ne pas travailler. Tu vois deux couples qui sont à la maison ou alors ils travaillent au noir. Parce que dès que tu es déjà salarié, dès que vous avez un bien, les blancs t'enlèvent tout. Même le RSA, là où je suis là. Moi aussi, ça m'aurait plu de rester chez moi à me coucher, de ne pas aller chercher l'argent. D'aller m'aligner là-bas, on me donne le RSA. Mais on dit que non, vous ne pouvez pas toucher le RSA. Parce que vos revenus sont associés à quelqu'un. Donc, moi, je n'ai pas de droit social. C'est pour ça que vous verrez, on va toujours vous dire que la classe moyenne est très pauvre en France. La classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui essayent de sortir pour travailler, souffrent énormément en France. Moi, je viendrai toujours démentir les fausses valeurs. Je viendrai toujours démentir des fausses valeurs. Je viendrai toujours et défendre mon honneur, défendre ma dignité. Lorsque quelqu'un dit que j'ai été chassé, je n'ai pas où dormir, je n'ai pas où machin, Gaëtan est incapable de payer 80 euros, comme a vu chez une assistante sociale. Oh, j'habite la campagne, il n'y a pas d'assistante sociale. Je viendrai toujours répondre. Une personne, chacun doit avoir une partie de sa vie qui cache. Donc, il y a plein de choses que vous ne saurez jamais sur moi. Mais restons sur l'essentiel. Débattons sur l'essentiel. Actuellement, là, il fait peut-être moins 5 degrés dehors. Si je pouvais sortir même au parc, faire le direct pour que même ces escaliers-ci, parce que je sais qu'il y a des gens, même pour ces escaliers en collimation qui amènent au premier étage, vont me jalouser. J'aurais fait ce direct dans la nature. Mais actuellement, il fait très froid. Donc, je ne fais pas ce direct pour vous montrer que ma maison a étage. Parce que c'est le blanc qui vient de m'apprendre que là où je suis ici, on appelle ça étage. Je ne savais pas. Vous savez, on ne sait pas tout dans la vie, même si tu as le doctorat. Tu ne peux pas tout savoir. Moi, je croyais qu'on appelle ça mezzanine. Mais ça ne peut pas être une mezzanine parce que c'est carrément... Il y a des chambres, des couloirs et tout. Donc, c'est lui qui a raison, c'est un étage. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ce n'est pas, les gens ne suivent pas Marlène. Les gens ne me suivent pas parce que je suis riche. Non. Les gens ne me suivent pas. Les gens ne me considèrent pas parce que je voyage en business. Non. Les gens me suivent, les personnes intelligentes me suivent. Uniquement parce que il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence derrière toute chose que je dis.
Même quand je fais le japap. C'est pour ça que je concentre une certaine catégorie de personnes. Moi, je vous ai dit, les blancs ici, quand vous arrivez, par exemple, une campagne comme la mienne, vous voyez des grands cimetières. On vous explique que c'est des enfants de 15 ans, 14 ans qui ont pris les armes pour libérer leur pays du nazisme. Ce sont des jeunes Français, de jeunes Françaises qui se sont sacrifiés pour que leur pays soit un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce n'est pas ce que vous faites là. Ce n'est pas en vilipendant des gens. Moi, je suis déjà parti. Je ne suis plus au Cameroun. Mais laissez-moi le droit à la réflexion. Lorsque j'étais en prison au Cameroun, je n'avais jamais parlé du régime. Jusqu'à il y a un mois, je ne faisais que soutenir ce régime. Jusqu'à ce que je découvre que la brûlée, la femme qui pourrit, que dans la peau pourrie là, prétend que c'est Chantal Biya qui l'envoie m'insulter. C'est là que j'ai commencé à répondre. Je ne me justifie pas et je ne regrette pas. Mais je dis, je ne suis pas une irresponsable. Sachant qu'aujourd'hui, n'importe qui peut profiter du fait que je vienne au Cameroun pour me poignarder dans un coin de rue et coller ça sur le coup du régime. Je n'ai pas que des amis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis des choses qui vont peut-être dans le sens ou qui rejoignent les choses que la base pense que forcément les gens de la base sont mes amis. Non. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir avec la base. Je ne pourrai jamais faire partie de la base. Parce que s'il y a 1000 membres à la base, 4 membres de la base sont d'accord avec moi ou d'accord avec ma posture actuelle. 100 me tolèrent. Ils disent que oui, finalement, Marlène a compris qu'elle se trompait. Mais il y a 900 à la base qui vont dire que Marlène avait osé dire qu'elle est suprématiste, Betty. Moi, le jour que je vois Marlène, je lui donne le poison. Vous me voyez en train d'aller m'asseoir avec les gens de la base? Jamais. Jamais de la vie. Pareil aussi au RDPC. Même si on me dit maintenant qu'on m'a nommée présidente de tout le RDPC de l'Europe, je vais écrire pour dire que je ne veux pas. Parce que tu ne peux pas accepter la nourriture de quelqu'un que tu as déjà insulté. Ça veut dire que tu cours à ta perte. Parfois, ayez des valeurs. Acceptez de ne pas vivre avec le milliard. Parce qu'en temps normal, personne ne peut vivre, manger 10 milliards. Personne. Si tu veux vivre comme un être humain normal, parce que la vie, pour vivre longtemps, il faut éviter les excès. Ne pas trop manger, ne pas trop boire. Si tu veux vivre longtemps. Donc, comme moi, je n'aime pas trop manger, je n'aime pas les hommes, je n'aime pas les femmes, je ne bois pas beaucoup. Pourquoi j'irais me faire du mal, m'exposer ma vie, mourir gratuitement parce que j'espère un poste? Ils vont me donner le poste, oui, mais derrière, ils vont envoyer des gens venir m'empoisonner. Parce que malheureusement, il y aura une personne qui n'aura pas digéré ce que j'ai été avant de les rejoindre. Donc nous, on ne fait pas des choses parce que on veut rentrer dans la politique pour que demain on nous appelle, on nous donne un ministère. Non. J'ai vu le bon côté, le mauvais côté de ces choses. Ça ne m'attire pas. Je viens me plaindre pour ce qui me concerne. Que Chantal Biya est libre de prendre le pouvoir au Cameroun, de devenir même la présidente. C'est-à-dire que Paul Biya décide même de changer la constitution et de faire d'elle la dauphine constitutionnelle du Cameroun. Ça ne devait pas m'importer. Mais lorsque je vois une femme qui prétend que elle est amie intime de Chantal Biya et elle se met sur les réseaux sociaux pour
harceler ma fille de 5 ans au point de demander que les gens aillent filmer ma fille à l'école et de venir mettre sur les réseaux sociaux. Je suis obligé de dire, sur le plan humain, parce que je dis toujours, l'institution, je la respecte. Je respecte l'institution. Elle n'est pas une institution, c'est le président qui est une institution. Mais elle-même, elle n'est pas une institution. La constitution du Cameroun ne la reconnaît nulle part. Mais parce qu'elle vit avec une personne qui est une institution, elle mérite le respect. Mais je dis dans le cadre de ce qui est en train de se passer avec moi, ça sort du cadre des relations publiques. Ça rentre dans la famille. Ça rentre dans l'essence même des gens. Et donc ce n'est plus de la politique. À ce niveau-là, il n'y a plus de barrière. C'est anormal qu'une femme qui est première dame ait des amis qui viennent attaquer des femmes comme moi sur Internet. Je n'ai aucun poste politique. Je ne représente aucune menace politique. Je ne sais même pas que si je m'assois ici, je dis allez voter tel candidat, 10 personnes vont me suivre dans ce vote-là. Considérez que je suis son adversaire, une première dame qui a tous les moyens de l'État. C'est me donner trop de valeur. Et lorsque les gens te donnent de la valeur, accepte cette valeur-là. Quand c'est moi qui parle au Cameroun, ça fait le tour des journaux. Ça fait le tour de la presse. Tous les médias en parlent. Parce que c'est moi qui parle. Ce n'est pas parce que j'ai monté un sac. Ce n'est pas parce que j'ai filmé ma maison. Non. C'est ce que je représente. C'est le poids politique que j'ai sans être une femme politique. Et c'est ça que j'ai tenté d'exprimer à la jeunesse féminine qui vient me suivre. Attirée par je ne sais quoi. Moi, je sais comment vous attirer. Je sais comment faire le buzz. Je sais comment m'amuser avec vous. J'ai aussi le droit de m'amuser. Je n'ai que... Bon, mais moi, je trouve que 41 ans, c'est vieux. Je suis vieille. Mais de temps en temps, je sais comment faire pour pouvoir apparaître à Kongosa VIP Bar. Il suffit que j'écrive ceci, je vais me retrouver là-bas. Mais si on est dans le sens de la réflexion politique, dans le sens des idées, aucune page ne va me partager. Et donc, pour vous manipuler, parce que nous, l'idée aujourd'hui, c'est vous conscientiser à dégager le régime de Paul Biya. Parce que si moi qui suis du village de Paul Biya, j'en souffre comme moi-même, je sens comment je souffre dans ma chair. Je suis en train de vieillir sans pouvoir mettre en œuvre sans pouvoir profiter tout ce que je travaille à me réaliser. C'est frustrant. Quand je vois que c'est des médiocres qui réussissent parce qu'ils sont lesbiennes, parce qu'ils sortent avec un tel, ça me frustre. J'ai le droit d'être frustré. Être frustré, ce n'est pas une faute. Chacun doit réclamer à la République ce qu'elle doit lui donner. Et rendre aussi à la République ce qu'elle lui a donné. On ne peut pas rendre à la République quelque chose qu'elle ne nous a jamais donné. Personne ne peut rendre à la République ce que la République ne lui a pas donné. Mais que la République s'arrange. Que la République s'arrange à accorder le minimum à chacun. Le minimum pour chacun aujourd'hui au Cameroun, c'est sa dignité. On ne veut même plus l'argent. On ne veut même plus le travail. On ne veut plus les postes. On réclame simplement au régime de Biya de nous donner la dignité. Et si Paul Biya refuse de nous donner la dignité, il faut qu'en 2025, il laisse les Camerounais tranquilles. Parce que voyez-vous, il vient d'avoir une expédition. Je ne sais pas si le président est même au courant que le Cameroun jouait à la CAN. Parce qu'à l'époque, quand le président était en possession de tous ses moyens, il aurait déjà commandé une commission d'enquête. Mais vous voyez, rien ne s'est passé. Ça veut dire que le président n'est même pas au courant que le Cameroun jouait à la CAN. Le président est fatigué. Le dire, ce n'est pas une faute. Dire que depuis que le président ne peut plus contrôler sa femme,
Sa femme est devenue incontrôlable. Sa femme est devenue un problème sociétal. Ce n'est pas une faute. Quand j'ai vu Calibri venir commenter ce que tu dis est passible de la peine capitale. Peine capitale, pourquoi? La seule chose à faire pour être passible de la peine capitale, du peu que je sais du droit camerounais, c'est tuer quelqu'un. Pas tuer quelqu'un en meurtre, mais organiser l'assassinat. C'est-à-dire que tu restes comme ça, comme je suis là. Je finis d'organiser, je me donne les moyens, je prépare pour aller tuer quelqu'un. Voilà la seule chose, d'après la loi camerounaise, qui te donne la peine capitale. La chose aussi qui peut te donner la peine capitale, c'est ce que Zogo a fait. Attenter à la sûreté de l'État, c'est-à-dire que prendre une arme ou quelque chose pour t'attaquer au président de la République. Ça, c'est passible de peine capitale. Ce qui est aussi passible de peine capitale, c'est ce que les Amazoniens sont en train de faire. Ils portent atteinte à l'intégrité du Cameroun. Ça, c'est passible de la peine capitale. Parce que quand on utilise les propos, dites-vous toujours qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas notre savoir, qui nous écoutent. Mais dire que la première dame est un problème, Chantal Biya au Cameroun aujourd'hui, devient un problème parce que malheureusement, son mari avec son grand âge ne la contrôle plus. Ne peut plus la contrôler. Paul Biya à l'époque n'aurait jamais autorisé que sa femme soit en train de faire ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas la seule à le dire. Ça veut dire qu'on va prendre tout le Cameroun, on va mettre en prison. Donc, laissons un peu la distraction. Donc, de temps en temps, on vient, on répond à quelqu'un qui nous attaque. Mais le fond, nous, on utilise ça parce que les gens aiment les clashs. On utilise ça pour passer notre combat. Mon combat actuel est que Paul Biya libère le Cameroun avec sa femme. De manière légale. On ne dit pas qu'on va formater un coup d'État. Parce que formater un coup d'État, c'est porter atteinte à la sûreté de l'État. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit, on demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de dire que ça suffit. Trop, c'est trop. Rien ne marche. La République ne garantit plus aux gens le respect aux citoyens, le respect de leur intégrité physique et morale. Ce n'est que légitime. Être président de la République n'a jamais été un CDI. Même comme des gens, par malhonnêteté intellectuelle, ont transformé le poste de président de la République en poste à durée indéterminée. Humainement, c'est une atteinte même à la Constitution. Donc, un seul individu décide que toute sa vie, lui, va être président. Toute sa vie, et il s'arrange, puisqu'il a tous les moyens de l'État, à faire en sorte qu'il reste là éternellement. On dit que c'est une faute politique. Voilà Poutine, il est en Russie, il est venu plusieurs fois. Tu t'arranges avec un dauphin, tu t'arranges avec un partenaire politique. Tu fais 10 ans, tu pars te reposer. Comme Donald Trump est en train de faire, tu te reposes 5 ans ou 7 ans. Tu reviens encore, on revote encore pour toi. Parce que malheureusement, les verts du palais, les lumières du palais, aveugles. Quand quelqu'un reste longtemps au palais, il n'est plus au courant des vraies souffrances des gens. Quand quelqu'un est au palais, il n'est plus au courant de la souffrance des gens. Puisque quand il veut sortir, on chasse toutes les petites Bayam Salam, toutes les petites femmes du Nord qui vendent les arachides devant Maïma, avec un capital de 2000. Le bébé au dos, un autre qui a l'âge d'aller à l'école mais qui ne va pas à l'école. Il passe toute la journée là. On s'arrange à ce que Paul Biya ne voit jamais la misère des Camerounais. Le jour que Paul Biya doit passer, on chasse toutes les Bayam Salam qui dorment sur leur sac de macabo. On les chasse parce que lui ne doit jamais voir la misère des femmes Bayam Salam. Avec des bébés en train de dormir sur les sacs de macabo pour gagner 1000 francs. Et dans les 1000 francs, on vient encore chercher 200
de taxes, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'impôt libératoire, ou c'est l'impôt libératoire, tous les jours. Lui, on empêche que le président soit au courant de ça. Et si le président ne peut pas, sa femme pouvait décider par elle-même d'aller toucher du doigt les réalités des Camerounais. Non, elle aussi, elle a décidé de s'enfermer dans les verres du palais des Toudi et de guetter les Camerounais comme je suis en train de guetter mon escalier là. Et quand elle décide même de guetter, c'est pour venir voir qui monte les sacs à Facebook, c'est un voutou, insultez-la. Qui voyage en business, c'est elle, insultez-la. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si elle lorgnait souvent les Camerounais pour voir que, aïe, Marlène était à l'hôpital de district de Saint-Mélima. Elle a même affiché que l'hôpital de Bambis, le toit s'est déjà arraché, là, toute la maternité, le toit s'est arraché. Contactez-la, on lui demande, on ira mettre le toit à la maternité de Bambis. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Elle vient seulement piquer les femmes qui insultent. Oh, j'adore Guylaine Chapuis. Elle insulte bien Malène et vous tout. Donnez-lui le biais. J'ai entendu cette femme dire que moi, j'aurais voulu être invitée aux vœux. Les vœux ne m'ont jamais trouvé au Cameroun. Depuis peut-être... Depuis que je suis devenue quelqu'un par moi-même. Donc peut-être il y a 20 ans. Les vœux, je suis souvent allée au palais. Parce que chaque fois, Sandra, que mon père a élevé, que mon chou Mendoza a élevé comme étant sa fille, elle m'a souvent donné le billet. Parfois, je partais avec le billet de Mendoza lui-même. Parce qu'à un moment, sa femme l'avait quitté. Il vivait seul. C'est moi qui l'accompagnais parfois. Mais pendant les vœux, comme ça tombe après le 25 décembre, j'étais toujours avec mes enfants en France. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai voulu qu'on me donne le billet. Et comme on ne m'a pas donné le billet, je suis devenu aigri. Je suis devenu aigri en voyant que les seules femmes qu'on repère pour Chantal Biya, que Chantal Biya leur donne l'opportunité de la rencontrer, c'est les femmes qui insultent les culs. Les femmes qui harcèlent des bébés. C'est là que je suis rentré en brousse. Parce que c'est mon propre bébé qui a été harcelé. C'est ma propre maman qui a été insultée, humiliée. Je n'ai pas acheté le problème de quelqu'un. Vous savez, la mort, elle est programmée. Et chacun sait déjà. C'est-à-dire que même dans ton corps, dans ta vie, chaque jour que tu vis, tu es en train de programmer la manière, le moyen par lequel tu partiras. Ce sera me faire un grand honneur si vous me faites mourir en martyr. Parce que je pense que, d'après le profil que vous me donnez, laissez-moi mourir de ma jalousie. Mais si vous allez vous organiser pour me faire du mal, je vais rentrer dans les livres d'histoire. Et les gens vont citer mon nom comme on cite le nom de Martinez aujourd'hui. Martinez était un petit délateur. Il faisait ses marchés à la radio. Dès que tu lui donnes un peu d'argent, il t'insulte. D'ailleurs, quand on lui donne un peu d'argent pour t'insulter, il insulte. Et toi-même, tu veux aussi lui donner l'argent, il insulte la personne qui lui a donné l'argent la première fois. C'était ça son travail. Mais Martinez va devenir un héros. Parce que vous avez décidé que ça devienne un héros. Et voilà aujourd'hui un an. Vous ne parvenez pas à sortir son corps de la mort pour rendre ses restes à la terre. Un régime qui a la fin doit savoir qu'il a la fin et préparer l'alternance. C'est simplement ce qu'on appelle de la responsabilité. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre que non, au bout de 41 ans, à 92 ans, un humain ne peut plus supporter la charge de président pour sa propre santé, pour sa propre... Parce que vous ne savez pas la responsabilité qui pèse sur quelqu'un qui doit s'occuper de la vie de 40 millions de gens. À 92 ans,
Paul Biya a droit aussi à la retraite. La retraite n'est pas une fatalité. La retraite à 92 ans ne peut pas être une fatalité. Le président a bien travaillé, il a mal travaillé. Il est temps qu'il prenne la retraite. Si quelqu'un n'arrive même plus à gérer sa propre femme à la maison, il ne peut pas gérer 20 millions de femmes. Si les femmes sont plus nombreuses au Cameroun, s'il y a 35 millions de Camerounais, il y a 20 millions de femmes. Si quelqu'un n'arrive même plus à contrôler ses propres enfants, ce que ses enfants font sur Internet, parce que tout ce que Brenda fait sur Internet nous fait honte en tant que citoyens, parce qu'on regarde ce que les enfants des autres présidents font. Même si tu as décidé de ne pas aller à l'école, tu crées une petite association d'aide aux enfants handicapés. Avec le carnet d'adresse, je ne sais pas quel directeur général d'entreprise Brenda peut appeler au Cameroun que j'ai besoin d'une aide pour des fauteuils roulants. Le directeur là va refuser de donner l'argent à Brenda. Tout ce qu'elle fait, c'est faire les snaps qu'elle fait, là, elle partage, elle monte, elle descend, elle montre comment elle a un jet privé et tout ça. C'est honteux. Il y a peut-être les gens qui vous lèchent les bottes qui ne vous le disent pas. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de vous le dire sans rien craindre parce qu'on est dans un état de droit. Je sais que le président, s'il avait tous ses moyens, Brenda n'aurait jamais fait ce qu'elle fait sur Internet. On ne dit pas, il y a les enfants des présidents. Les enfants des présidents même, ils ont des petits groupes privés entre eux, entre eux. Ce qu'ils font sur Internet, on s'arrange pour que leur entourage ne divulgue jamais ce qu'elles font dans leur vie privée. Mais tous les jours, on reste. Tu mets ton Facebook, tu trouves Brenda. T'as moi à dire ton ex, mon ex, Sakoyaya. Sakoyaya. Quelqu'un qui était admise à être administratrice civile de l'ENAM. Maintenant, elle fait les challenges TikTok. Même si c'est pour s'amuser, tu t'amuses. Dans un petit comité, pas devant 300 000 personnes. C'est humiliant. Et en même temps, ça fait pitié. C'est-à-dire qu'en même temps, on a pitié du président. On se dit, l'homme n'est plus. L'homme a perdu la main. Je pense quand même que le président a beaucoup donné au Cameroun. Au point où il n'a même pas pu s'occuper de l'éducation de ses propres enfants. Parce que quand tu vois Brenda, tu sens qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'affection d'un père. Elle n'a pas eu l'autorité d'un père. Elle n'a pas eu l'autorité d'une mère. Qu'est-ce que sa mère pouvait bien lui? Non, sa mère aussi est occupée à s'intéresser des affaires du pouvoir. La petite est livrée à elle-même. Elle a fait des réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui l'éduquent. La pauvre ne sait pas que en tant que l'enfant d'un président d'un pays extrêmement pauvre, c'est mal vu de faire les snaps dans un jet de 90 millions pour 3 jours. C'est mal vu. Elle vient juste assister à l'anniversaire, le jet décolle, sa gare à Yaoundé. Elle finit d'assister à l'anniversaire 2 jours, le jet décolle. Oh, chaque jour que le jet est garé là, si on a dit 20 millions la journée, c'est 20 millions. Dans un pays où des enfants vont à l'école assis par terre. Les gens nous regardent. Ce n'est pas bien. Moi, c'est mon droit de parler. Je suis citoyenne. Et ce n'est pas une faute parce que ce n'est pas de la diffamation. Ça vient toujours nous trouver là. Et même que au Cameroun aujourd'hui, tu portes plainte pour diffamation, ça ne va nulle part. Donc moi, j'ai porté plainte, on a dit ça ne va nulle part. Donc nous tous, on rentre dans cette danse. Mais moi, je n'aime pas. Par honnêteté, on peut me contester sur certains pans de ma vie, mais pas sur la légalité de mon propos. Lorsque je m'exprime, je m'arrange toujours à être dans le sens du respect de la vie. Moi, je ne suis pas Jeanne Zobo. Je ne suis pas porte-parole des tontinards. Je ne serai jamais une tontinarde. Je ne serai jamais une tontinarde. Je ne suis pas là pour expliquer ce que les tontinards sont allés faire dans l'ambassade.
Casser une ambassade n'est pas la chose la plus importante au Cameroun. On peut casser l'ambassade tous les jours. Qu'est-ce que l'ambassade représente? Qu'est-ce que l'ambassade... C'est le seul moyen que les Camerounais ont eu de crier leur ras-le-bol. Ça a eu quel impact? En dehors du fait que leur passeport était bloqué là-bas, leur passeport a été jeté. C'est encore les gens de la diaspora qui ont souffert du fait de la casse de l'ambassade. Et derrière ça, les personnes même que eux ils sont en train de combattre, les gens, les personnes que ces gens de l'ambassade sont en train de combattre, se sont enrichis derrière les casses, puisque ils ont déclaré que on a volé près de 400 millions à l'ambassade. Comment on fait pour sortir avec 600 000 euros, même si c'est en devise? Comment les gens de la base ont fait pour sortir avec 600 000 euros? Tous ces gars que je vois galérer là. Donc, il y en a qui ont profité de la pluie pour chier dans le torrent. Donc, si on pousse même les... Peut-être, c'est même ces gens-là qui ont provoqué la casse de l'ambassade. Je vois quelqu'un qui veut intervenir. Si vous n'êtes pas mon ami, vous ne pourrez pas. Hein? Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'amis dans mon direct, sur ma page. Donc, impossible pour vous d'intervenir. Je dis, avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour s'enrichir et même à organiser des casses de l'ambassade. Je vais vous dire une confidence que Serge Anango m'avait confiée. À une époque, il me téléphone, il me dit que maintenant, il s'entend déjà très bien avec le directeur du cabinet civil. Qu'ils parlent ensemble, le directeur du cabinet civil lui demande souvent des conseils. Je ne sais pas s'il voulait se vanter. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est ce que Serge Anango m'a dit. Et moi, je me dis, mais attends, ce n'est pas ce Serge Anango qui avait insulté la mère de Paul Biya, qui était devant, qui faisait le direct avec son visage. Qui me dit aujourd'hui qu'il est en étroite collaboration avec le directeur du cabinet civil. Je me dis, c'est eux qui ont compris la politique. Et je l'ai dit hier, que les gens de l'Ouest ont compris c'est quoi la politique. La politique, c'est que tu fais semblant en journée de combattre quelqu'un. Dans la nuit, tu peux faire alliance avec lui. Et moi, je ne pense pas, connaissant un peu la largesse du DCC, qu'on n'a pas fait un petit geste à Serge Anango. Il ne va pas me contredire puisqu'il sait que c'est ce qu'il m'a dit. Comment, et le DCC était l'ambassadeur de France à cette époque-là. Comment il peut prétendre, c'est à moi qu'il est venu le dire, qu'il est déjà en bonne relation, et même cette affaire de franquisme-là, c'est Anango qui m'avait soufflé ça pour la première fois. Anango me dit que non, actuellement, tu sais qu'on prépare pour donner le pouvoir à Franck, donc nous on est là avec le DCC, on travaille. C'est Serge Anango, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, qui me l'avait dit. Il fait aussi les directs. Si je me trompe, il peut lancer son direct. Je lui ai dit, ah bon? À un moment, j'ai même cru qu'est-ce qu'il peut, il veut venir tâter mon ventre. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Moi, la simple chose que j'ai faite, je l'ai bloqué de mon téléphone. J'ai dit que hey, les histoires et des DCC et des machins, ça ne me concerne pas. Je te bloque. Donc, pour vous expliquer que ce sont les gens de l'Ouest, les Bamiléké, qui ont compris la politique. C'est-à-dire que quand vous êtes un groupe qui veut influencer, séparez-vous en deux groupes. Dans la journée, il y a les gens qui combattent. Ou dans la journée, il y a les gens qui soutiennent. Mais la nuit, ils se mettent ensemble pour combattre. Là, vous mettez la pression à tout moment.
comme les Fémans. Il y a un qui vient pour dire que non, donne-moi l'argent, je vais aller arranger le problème, alors qu'ils sont ensemble. Mais nous, les petits, je crois que je l'ai dit hier, que toutes les personnes ou toutes les tribus qui se sont mises derrière Paul Biya, qui ont été un soutien sans faille, ont été les plus méprisés du régime, des 41 ans de régime de Biya. Les plus oubliés. Puisqu'ils savaient que c'est un électorat qui est acquis, déjà même qu'on ne sert à rien. Qu'on vote pour lui, qu'on ne vote pas pour lui, les deux grands groupes ethniques du Cameroun sont derrière lui. Et même quand il doit choisir des responsables politiques chez nous, il doit choisir celui qu'on dit que tu es le plus méchant, tu es le plus chiche, tu es celui que tout le monde déteste. C'est à lui que le président va te donner le poste politique. Parce qu'on sait que lui foncièrement, et on lui fait comprendre que si tu fais grandir tes frères, ce sont tes frères-là que moi je vais choisir pour te remplacer. Et donc, tout ce que l'homme boulou, l'homme petit a fait, c'était de travailler pour que son frère ne soit jamais en position de le remplacer. Et ça nous a plutôt fragilisés. Les gens se sont détruits à outrance. Au point où aujourd'hui, des personnalités comme Edgar Alain Mbengo, des gens qui étaient présidentiables, les Ababa Polycarp, les gens lui Bemengue, je ne cite que l'élite du sud, du dialogue, ont des peines de prison de 30 ans, de 25 ans. Alors que il y a un ministre comme Ganou Djoumessi. On ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent des routes, mais il est là. Personne ne lui demande rien. Et personne ne va jamais rien lui demander jusqu'à la fin. C'est-à-dire que s'il y avait un endroit où on devait construire l'autoroute, c'était pour construire l'autoroute qui accompagne Paul Biya chaque week-end dans son village. Mais la route qui amène chez Paul Biya est la route la plus accidentée, la route la plus meurtrière, la plus escarpée du réseau routier camerounais. Nous, on pense que c'est mon droit. Je suis né camerounaise. Même si j'ai une autre nationalité ou j'ai deux nationalités demain, je serai toujours camerounaise. Mon cordon ombilical est enterré là-bas. On pense que le président a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il ne peut plus rien donner aux Camerounais. Donc, il faut qu'il laisse. Si c'est cela qui mérite une peine capitale, prenez mes chaussures. Même mes chaussures, je n'ai pas laissé là-bas. Parce que moi, je ne me remettrai plus mes pieds. Même pour rire. Parce que j'ai vu la violence des Camerounais. C'est un peuple qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui. C'est un peuple qui ne mérite pas que quelqu'un sacrifie son confort pour lui. Parce que en 41 ans de bêtises, on forme des bêtes. C'est-à-dire que tu ne peux pas se gaspiller ton énergie que d'imaginer que, parce que tu parles sur Facebook, ça va changer la mentalité du policier qui croit que Non, tu ne vas jamais rien changer au Cameroun. Personne. C'est-à-dire que le même nombre d'années qu'il a fallu pour fabriquer ces citoyens, il faut le même nombre d'années pour les dézombifier. Il faut encore 42 ans. Donc le prochain président, lui aussi, va dire, donnez-moi 42 ans pour créer une nouvelle race de Camerounais. Parce que cette race qu'on a actuellement connaît seulement, la seule chose qu'on lui a montré, cette catégorie de Camerounais, c'est les détournements, c'est le vol, c'est les pillages. Dès qu'un gars sort de l'ENAM, il veut le duplex. Il veut le dernier X6. Il veut le iPhone 15. Parce qu'on sait que sur Facebook,
Tu as 300 000 de salaire. Si tu es locataire, les gens t'insultent. Or, aucun loyer, les loyers ne sont pas encadrés. À Yaoundé aujourd'hui, quand tu veux un loyer de 200 000, tu dois aller à 15 km de la poste centrale. C'est-à-dire que pour que tu trouves, toi tu gagnes 300 000, mais pour que tu trouves le loyer de 200 000, tu dois aller à 15 km de la poste centrale. Vous voyez un peu la décrue. C'est-à-dire qu'on s'organise pour que tout le monde pille l'État, pour que la corruption existe. Et donc, ce n'est pas en un coup de baguette magique qu'on pourra changer les choses. Donc, nous, on fait pour... au lieu d'aller s'asseoir chez des psychologues et dire, j'ai envie de me décamerouniser, j'ai envie de parler de ce que j'ai vécu, de la violence, de ce que j'ai vécu, je prends mon téléphone, je me mets sur mes escaliers, je dis ce que j'ai vécu. C'est une thérapie. Ça choque, ça ne choque pas. Quand, mon direct, c'est comme mon confessionnat. C'est pour mes amis, c'est pour mes intimes. Donc, si vous pensez que c'est un acte politique, c'est un acte de prise de pouvoir, je ne suis associé à rien. Je vous dis que même quand on a mis mon nom dans l'affaire de l'association des franquistes, je n'ai jamais assisté à une réunion. Chaque fois qu'on m'a appelé, j'étais hors jeu. Et j'ai fait 3 semaines avec eux, je suis parti. Donc, qu'on ne vienne pas dire que non, Marlène, elle parle maintenant parce que comme on l'a enlevé chez les franquistes, elle veut maintenant se mettre derrière Kamto. Vraiment. Même si c'est le président Kamto qui prend le pouvoir et lui m'appelle pour me dire, viens, je vais te donner un poste. Je vais lui dire que non. Si au moins 15 ans ne sont pas encore passés entre le départ de Biya et ton arrivée, rien ne va changer. C'est juste de l'utopie. Rien ne peut changer au Cameroun. Avant au moins 20 ans. Les Camerounais, ce seront les mêmes Camerounais que Paul Biya a formés. Ce sera la même administration que Kamto va venir diriger. Donc, il ne pourra pas en un an changer les Camerounais. Il ne pourra pas en un an mettre le mérite au centre de toutes les décisions. Parce que malheureusement, il sera un homme politique. Et un homme politique fait des concessions. Quand il va venir à Assemblée, on va lui expliquer que non, tu sais, Assemblée ici, quand il faut donner les postes politiques, on cherche les grandes familles. Les grandes familles, c'est les enfants des anciens préfets, les anciens ministres. Donc, si tu cherches un ministre, il faut absolument que ce soit dans cette famille-là. Sinon, tu perds la région du Sud. Même si l'enfant de l'ancien ministre est un cancre, est un voleur qui a fait la prison, qui a fait ceci, Maurice Kamto sera obligé de le nommer parce que sinon il perd un électorat. Donc il ne va rien faire. Ceux qui pensent que au changement, le changement c'est une vue de l'esprit. On peut changer des institutions, mais c'est la personne qui doit être changée, c'est l'humain. La personne qui doit être développée, c'est l'humain. Parce que c'est l'humain, la formation de l'humain qui fait en sorte que les choses avancent, que le pays se développe. On peut finir de construire les infrastructures. Mais si le Camerounais ne sait pas, on ne lui a pas appris que on ne mange pas et on jette des ordures au bord de la route. 4 jours, vous allez venir trouver que les gens ont fait caca dans la nuit. Et ils ont mis sur les murs. Parce que eux, on a privilégié l'infrastructure. On n'a pas privilégié la formation de l'humain. Je surprends peut-être parce que, comme je ne parle pas souvent beaucoup, les gens sont plutôt surpris quand je prends la parole. Parce que pour la plupart du temps, je joue au jeu auquel vous m'imposez. Vous voulez de moi une influenceuse qui montre les sacs, qui montre les voyages. Bah, j'essaie de vous servir ça pour avoir ma paix. Parce que je sais que lorsque je sors et que je sois dans mon cadre réel, je peux malheureusement heurter. La preuve en est aujourd'hui que depuis que j'écris et que je parle, des gens vous disent « Oh, tu mérites la peine capitale. » Donc vous pensez que je suis assez bête pour me lever, sacrifier ma vie, même si rien ne vaut la vie pour les Camerounais.
Non. D'ailleurs, même je vais refuser. Non, je ne peux pas. Mieux, je suis ici. Le jour que je n'ai pas, je ne vais pas m'aligner chez l'assistante sociale, comme on a dit. Mais moi, venir me sacrifier pour les Camerounais, c'est le mensonge. Je parle pour moi, parce que je déverse mon aigreur. J'ai envie de m'insérer dans la société française en étant expié de toute l'aigreur, de toute la médiocrité que j'ai absorbée au Cameroun. C'est pour ça que je viens vous déverser tout ça sur Internet. Comme si quelqu'un est aux toilettes, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que lui m'écoute quand il va aux toilettes. Il m'écoute quand il va aux toilettes. Donc moi, actuellement, ma page aussi, ce sont mes toilettes. Actuellement, vous ne savez pas ce que je fais. Comme aujourd'hui, c'est une journée où on a sorti. Ni moi, ni Gaëtan, on ne sort pas. J'ai décidé de refaire mon direct. Donc, on ne va pas rester très longtemps parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de méga. Nous aussi, on a la chance d'avoir des wifi partout où tu es dans la maison, tu as la connexion. Donc, je vais parler jusqu'à... Là, vous laisser aller à vos vaquer à vos... Moi aussi, je dois sortir là. Et si une autre occasion nous est donnée d'échanger... Eric Bouffeux, je sais que vous allez toujours être des... Je ne sais même pas si je dois encore rester en direct. Vous savez, même quand vous êtes un grand professionnel, en politique, on ne change pas de bord comme ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « Je peux être du RDPC en journée et du MRC le soir », c'est pas quelqu'un à qui vous devez faire confiance. Vous ne verrez jamais une personne du Front National dire qu'elle soutient Mélenchon. Même si ce que Mélenchon dit est bien, il va toujours trouver l'astuce pour ne pas accepter ce que Mélenchon fait. Vous avez vu la loi immigration ici en France. Tous les partis étaient d'accord sur le fait qu'il fallait réformer l'immigration. Mais parce que le Front National a osé dire qu'il est d'accord avec cette loi-là, Macron s'est arrangé pour aller faire retoquer la loi par le Conseil constitutionnel. Parce qu'il ne veut même pas qu'on dise que la loi qu'on est en train de passer en France là, le Front National a contribué. Pour vous dire qu'en politique, la politique c'est un jeu. Quand tu t'es déjà affiché que tu soutiens Kamto, même si on dit que ce que Paul Biya fait est bien comment, il ne faut jamais apprécier. C'est ça qu'on dit être opposant. Moi, j'ai décidé maintenant que je suis dans l'opposition. Donc, même si on me dit que ce que Chantal Biya fait, ce que Paul Biya fait bien, je vais venir trouver ce qui ne va pas là-dedans. C'est ça, être opposant. L'opposition est différente de la sorcellerie. Mais l'opposant doit toujours s'opposer. Maintenant, quand il y a les alliances, même si tu es opposant, mais il y a certaines choses que tu acceptes. Là, c'est ce qu'on appelle des alliances. Le modem est l'allié de renaissance de Macron. Parce qu'il y a quand même des points idéologiques sur lesquels le modem accepte s'allier avec renaissance. Mais vous ne verrez jamais l'extrême gauche alliée avec les républicains. Donc, c'est comme Anango fait, c'est comme si Marine Le Pen dit qu'elle veut déjà travailler avec Macron. Non. Marine Le Pen doit attendre que celui qui est porteur de son idéologie arrive au pouvoir. Arrêtez de vous battre seulement pour votre ventre. Arrêtez de vous battre pour votre ventre seulement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous tend 10 000 euros que forcément vous allez trahir toute votre idéologie. C'est pour ça que moi je vous dis qu'à l'heure actuelle, j'ai dit je suis dans l'opposition. Même si on sort le décret là à 17h, on dit Malène Mvoutou, ministre des Sports et de l'Éducation nationale. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je ne partirai pas. Parce que je suis fortement opposé à tout ce qui se passe au Cameroun actuellement.
Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oh, c'est parce qu'elle veut l'asile politique. Est-ce que vous pensez, en France, quand tu demandes l'asile politique, si tu as des gens en relation, même seulement en concubinage avec un Français, tu as un enfant qui est Français, ton dossier ne peut jamais passer à la demande d'asile. Oui, accidentogène. Merci. Vous n'allez pas nous empêcher de ne pas citer une tribu ou une ethnie. Non, nous ne sommes plus à ce débat-là. Je vous ai dit, les Bamlékés ne sont pas le problème du Cameroun, mais les Bamlékés font des choses que moi j'apprécie. Je vais dire que j'apprécie. Parce que c'est intelligent de comprendre le système. Eux, ils ont compris le système. Moi, je salue ça. Je salue le fait que il y ait des gens qui ont servi le régime et qu'à un moment donné, ils constatent que tout n'est plus rose, ils se décalent, ils créent leur parti politique. Tant qu'Alibri me dit que... Est-ce que tu as entendu ce que Momo a souvent dit de Paul Biya? Non, Momo a été très dur. Momo a été plus dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a eu l'opportunité d'en se rapportant ministériel, il est venu encore se confesser que non, je me suis trompé. En fait, ce monsieur fait beaucoup. Mais il a été très dur. On ressort souvent ses propos. Lui-même, il en a honte. Parce que lui, il avait même dépassé la borne du combat politique. Donc, parfois, quand les gens font des choses, évitez de prendre des gants. Si un Bamlékais fait quelque chose qui est bien, dites-lui, puisque être Bamlékais, être petit, ce n'est pas une opposition politique, ce n'est pas une opposition idéologique. Nous sommes des groupes ethniques différents. Mais si un Bamlékais fait quelque chose qui est bien, n'ayez pas honte de venir dire qu'il fait quelque chose qui est bien. Pareil aussi, si un petit fait quelque chose qui est bien, n'ayons pas honte de dire qu'il fait quelque chose qui est bien. Et je dis, en termes d'intelligence politique, les Bamlékés sont les meilleurs. Parce qu'ils ont compris. Tu vas dans tous les partis politiques du Cameroun, ils sont là-bas. Mais le dernier jour du vote, ils savent où ils sont. Mais ils profitent partout. Tu vas chez Cabral Libi. Non, c'est eux qui tiennent là-bas. Les Bassas sont un peu, mais la majorité qui font la grandeur de ce mouvement, c'est les gars de l'Ouest. Tu pars dans les franquistes, c'est eux qui commandent là-bas. Tu pars au RDPC, c'est un Bamlékié qui est au RDPC, secrétaire général. Tu pars partout, ils sont là, ils ont compris qu'il faut être partout. Mais les boulous sont que non, notre feu au RDPC, nous on n'est que RDPC. Comme ça qu'ils perdent les opportunités. Ça veut dire que nous sommes nombreux à nous battre pour la petite place qu'on réserve au RDPC. Parce que personne ne veut pas, ne veut qu'il y ait, qu'on dise que oh, dans le village du président, il y a même un parti d'opposition. Mais je leur dis que si demain le président n'est plus président et qu'il y a un nouveau président, même s'il est boulou, apprenez à avoir un choc des idées. Parce que Diderot disait que c'est du choc des idées. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous n'allez pas tous dans le même sens. C'est là que vous créez l'émulation. Quelqu'un me dit, Dame Marlène, quel est l'intérêt de rapporter la conversation que tu as? Mais parce que lui aussi rapporte souvent les conversations qu'il a eues avec moi. Parfois il invente. Dernièrement, quand j'ai eu le problème de la maison où on est venu me casser, malgré le fait que la décision de justice était là, il a osé dire que j'avais un contrat de location, j'avais fait signer un contrat de location à Gaëtan Joly, parce que moi, j'ai pas de revenus. Et il a dit, vous étiez nombreux. Est-ce que c'était la vérité? C'était pas la vérité. Mais il le disait pourquoi? Parce qu'il voulait me casser. Je ne lui ai rien fait. Il voulait le faire pourquoi? C'était pour m'humilier, mais moi je ne mens pas sur lui. Donc moi je vous assure que pour que les Camerounais espèrent un Cameroun nouveau, ce sera dans 20-30 ans. Tous ceux qui vont venir vous mentir que oh, je vais balayer le biaïsme en un an sont des chimères. Ça n'existe pas. Ce seront des promesses politiciennes qui ne seront jamais exécutées.
Et il va vous dire non, donnez-moi encore 7 ans, je vais voir, et on sera à 14 ans. Après, il va dire non, donnez-moi encore, je n'ai pas terminé au sud. Ça sera à 21 ans. Donc, un président, le président qui vous demande un mandat politique en 2025, c'est pour faire au moins 3 mandats. Donc, moi, je vais vous laisser, je suis fatigué, je vais vaguer à mes... Vous signalez mon direct, connexion, langue, connexion, non.